Le mental est un outil utile, l'intelligence est un outil utile. On verra un petit peu comment les pères à l'origine voyaient cette fonction de l'intelligence. Mais aujourd'hui, force est de constater que nous sommes possédés par cet outil et que le mental est devenu une très grande force autonome qui fait qu'on a beaucoup de difficultés à vivre ce moment de non-mental. Souvenons-nous, quand est-ce qu'on a connu un moment où ça ne pensait plus en nous? Cette espèce de vide, qui n'est pas un vide, un néant, mais qui est ce vide où il y a l'impression à la fois d'une capacité, enfin d'une sensation d'être dans l'instant, totalement réunifié, totalement unifié. Un moment où on a eu l'impression que le mental s'était apaisé, totalement apaisé. L'être humain est très paradoxal et très contradictoire. En lui habite à la fois de la vie et de la mort. Nous sommes mus à la fois par des mécanismes de vie, et en même temps, c'est étonnant comment en même temps, au même moment pratiquement, on peut mettre en place des mécanismes qui s'abordent, ou des processus, je dirais, d'autodestruction, des mécanismes très subtils qui peuvent nous habiter. À la rigueur, j'aurais envie de dire, ne nous attachons pas trop à ce qui cherche à nous détruire. Au contraire, faisons fructifier le bon en nous. Et que peut-être que dans certains chemins psychologiques, à force de trop vouloir chercher ce qui ne va pas, on risque aussi de toujours, en rajouter, on pourrait dire. Ou à un moment donné, il y a plusieurs manières de faire fructifier un jardin. On peut aussi l'embellir, on peut passer son temps à arracher les mauvaises herbes, et qui fait qu'on va se fatiguer, et puis en vérité les mauvaises herbes, on ne va jamais complètement les éliminer. On donne peu de temps en fait aux fleurs et aux belles fleurs qui habitent ce jardin, ou un petit peu, mais peut-être pas tout le temps qu'il faudrait. Et il y a aussi une deuxième manière de faire fructifier le jardin, c'est effectivement de stimuler, de prendre beaucoup de soin dans cette beauté, cette bonté qui nous habite à l'origine, qui est sabotée en nous. Et que si on fait fructifier cette beauté et cette bonté, eh bien au fur et à mesure, les mauvaises herbes vont être étouffées. C'est un moyen possible aussi. De faire fructifier. Je ne dis pas qu'il n'y a pas non plus un travail de désherbage aussi à faire, de labourage, mais qu'à force peut-être de trop chercher à arracher ce qui ne va pas en nous, on risque aussi d'arracher aussi ce qui va. À force de trop arracher l'ivraie, on arrache aussi le bon grain. Donc là, il y a aussi un chemin de patience, et un chemin d'être lucide sur peut-être aussi ce qui peut nous enfermer, mais d'ouvrir cet espace-là, et puis de laisser l'esprit, de laisser la vie venir transformer progressivement cette matière, cette force intérieure qui ne sait pas encore se donner. Donc derrière tout ça, ce que l'ange nous dit, ce que le maître de la vie nous dit, c'est: est-ce que tu veux guérir? Est-ce que tu veux vraiment répondre à l'injonction de Dieu en toi qui te dit: accomplis-toi, fructifie-toi? Est-ce que tu veux vraiment cela? Et là donc, la question qui nous est, le mot qui vient là donc, c'est motivation. Qu'est-ce qui nous meut? Quelle est l'impulsion? Qu'est-ce qui vraiment nous anime de l'intérieur? Et si on veut être honnête, je crois que si le Christ nous pose cette question: veux-tu guérir? Il l'a posée à plusieurs personnes qui l'a guéri. C'est que c'est pas forcément évident comme question. Apparemment oui, mais en vérité c'est pas aussi clair toujours en nous. Donc motivation. Donc de clarifier notre intention et de vraiment, je dirais, rejoindre et entendre dans la voix des profondeurs quelle est vraiment notre motivation. Est-ce qu'on veut être heureux? Est-ce qu'on veut être bienheureux? Est-ce qu'on veut être vivant? Et jusqu'où on veut aller? Je crois que c'est des questions qu'on va sans arrêt être amené à se poser. Une question très simple et pourtant essentielle sur le chemin. Et c'est pas ce que nous disent les anciens, c'est que c'est pas parce qu'on est vivant aujourd'hui qu'on a choisi de vivre. Pour certains, on subit la vie. Choisir la vie, c'est aussi, peut-être, on le reverra, choisir d'être humain. Choisir l'incarnation. Et on verra quand on grimpera l'échelle que pour certains aujourd'hui, c'est pas encore réglé cette question de l'incarnation. Est-ce que vraiment c'est dans ce corps que je veux que ça s'accomplisse? On sent bien qu'on met en place des mécanismes bien souvent où il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est de repartir.
Hein, c'est de dire oui à la vie telle qu'elle est. C'est de dire oui au corps que je suis. C'est de dire oui à la matière. De dire oui au milieu, enfin, dans lequel j'évolue, hein, dans ce monde pourri dans lequel je peux être. C'est pourtant là qu'on est invité à vivre. C'est choisir cela. C'est vrai que dans nos vies, bien souvent, on le subit. C'est pas pour s'y complaire. Si on dit oui à cela, je dirais c'est pas pour le cautionner forcément, mais c'est pour vraiment dire que c'est là, dans ce monde-là, dans cette matière-là, que je suis invité à vivre et où je suis invité à un rendez-vous avec la lumière. C'est que paradoxalement, c'est au cœur de la matière que la lumière nous convoque. C'est là que nous sommes attendus, dans les profondeurs de notre corps. On n'est tellement pas dans nos corps. Hein, je crois que c'est une grande question pour chacun d'entre nous, ça. On n'est pas dans nos corps, bien souvent. Présent là, de toute sa force, dans le corps, dans la matière, dans la conscience cellulaire, dans la conscience des profondeurs, dans ce lien avec la terre. Parce que derrière tout ça, ce qu'on entend, ce qui vient après, c'est le mot de la confiance. On a perdu confiance. Confiance dans la vie, pour certains. Confiance dans ce qui nous habite. On a perdu confiance parce qu'on a perdu la foi. Confiance, la foi c'est fides en latin. Fides, la foi, une des portes d'entrée du mot foi, c'est parce qu'on a perdu confiance en la vie. Perdu confiance en l'être qui nous fait être. On a perdu confiance en Dieu. Bon, dies, on a perdu confiance en la vie, hein, simplement. Et pourtant, la vie, elle, a confiance en nous. Ça, c'est une parole étonnante aussi. Le vivant a confiance. La vie a confiance en nous. Elle nous offre toute la force qu'elle peut avoir pour qu'on puisse s'accomplir. Mais c'est nous qui n'avons pas confiance. Ça aussi, c'est une expérience intérieure cellulaire. Sentez là maintenant, dans l'instant, comment nos cellules, bien souvent, sont contractées. Sentir de l'intérieur comment la vie va nous inviter à un moment donné à dire oui. Il y a vraiment là toute une notion de confiance, hein, de motivation, de dire oui, hein, à la vie, à la terre, à la matière. Et parce que cette motivation a été clarifiée, naturellement, ce qui va se passer après, c'est qu'on va être invité à poser un choix. Hein, et une motivation qui s'incarne, ça devient un choix. On décide effectivement maintenant de vivre. On décide d'accomplir ce chemin, même si on ne sait pas comment, même si on ne sait pas, même si ça nous paraît difficile, voire impossible, mais on ose, hein, dans ce chemin d'audace. On décide de se dire, mais pourquoi pas, ça peut être aussi pour moi ce chemin. Ça peut être ce chemin d'espérance, ça peut être aussi pour moi, dans ce chemin d'audace. Hein, de faire de ce qui m'habite, de ce que je traverse aujourd'hui, de l'événement difficile qui m'arrive, d'en faire une action, d'en faire un espace de vie, hein, de générer de la vie. Où là je ne suis plus objet des événements, objet des situations qui m'arrivent, mais de plus en plus sujet. Là, il y a un aspect, je dirais, de décision. Je décide d'être bien heureux. Je décide de l'intérieur ou en moi, du plus profond que je peux connecter la conscience en moi. Je veux participer au projet divin qui m'habite. Qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé dans la tradition des anciens ? L'état de santé originel, c'est manifester cette perfection à laquelle nous sommes invités. Hein, c'est manifester que se révèle en nous ce projet divin. Il y a en nous une semence de lumière, il y a en nous une image qui est semée au cœur même de nos profondeurs. Ce nom divin que nous portons, cette image divine, cette semence que nous portons dans les profondeurs, et c'est comme si cette semence avait à être travaillée dans le souffle, arrosée dans une terre que nous labourons, cette semence qui va être arrosée, qui va être ouverte et offerte au vent
à l'air, elle va être ventilée, puis elle va être aussi réchauffée par le feu de l'esprit. C'est comme si cette semence de lumière qui porte un projet, qui porte l'avènement d'un arbre qui est « je suis en devenir hein, », c'est comme si cette semence que nous portons dans les profondeurs de notre humanité était invitée, à travers tout ce chemin d'incarnation, à manifester la ressemblance, à manifester et à mettre au monde et à révéler cet arbre de vie que nous portons tous, que nous sommes invités à mettre au monde. Et cet arbre de vie, eh bien, il va mettre au monde ce fruit. Et le fruit, c'est le Christ intérieur. Nous sommes invités à devenir des Christ, à mettre au monde ce beau fruit d'accomplissement que nous portons. Là est le chemin de santé. La santé, vraiment, à l'origine, nous rappellent les anciens, c'est l'avènement, c'est le passage de l'image à la ressemblance, de la semence à l'arbre de la vie. Cette perfection qui est donc la révélation de l'être divin en nous. Et nous avons tous une façon unique de manifester cet arbre à l'intérieur. Tous une manière unique de révéler cette ressemblance qui nous habite. Et là est aussi le chemin de sainteté. Qu'est-ce que c'est que le chemin de sainteté dans la tradition biblique? Je reviens à l'étymologie du mot hébraïque, hein, le mot kadosh. Kadosh, kodesh, hein, c'est ce mot être saint, S-A-I-N-T. Kadosh, la sainteté, on pourrait dire que c'est ce chemin d'ouverture. Hein, le mot littéralement kadosh en hébreu, quand on parle de saint Dieu, hein, kadosh Adonai, le mot kadosh, littéralement, ça veut dire qu'on ne peut comparer à rien, qui est incomparable. Quand on dit que Dieu est saint, c'est qu'on ne peut le comparer à rien. Hein, on ne peut pas le ramener dans des conditions ou dans des catégories psychiques ou psychophysiques connues. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut comparer à rien. C'est cette ouverture à cet inconnaissable, à cette autreté, quelque chose qui est autre, qu'on ne connaît pas encore. Cette notion de sainteté, c'est cette ouverture, c'est l'ouverture du connu à de l'inconnu. C'est cette ouverture à cette humanité égocentrée, je dirais, que nous connaissons. Enfin, c'est ce paquet de mémoires que nous connaissons, programmé dans l'espace-temps. C'est cette ouverture de cette programmation à de l'autreté, à cette altérité, hein, cette autreté qui nous habite, quelque chose d'autre qui nous habite. On ne sait pas d'où ça vient et on ne sait pas où ça va. Hein, ce vent qui souffle, ce vent qui vient d'ailleurs, l'Esprit Saint. Cette ouverture à quelque chose qui nous transcende, qui vient d'ailleurs. Et c'est ça le chemin de sainteté. Hein, c'est cette ouverture de cette matière connue à cet inconnu qui nous transcende, à cet autre qui nous habite, plus profond que nous-mêmes, plus aimant que nous-mêmes, plus intelligent que nous-mêmes. C'est cette ouverture de cette humanité à ce qui vient d'ailleurs. Ouverture de cet ego à cette dimension du « je suis ». Cette dimension du « je suis » qui nous fonde à l'intérieur. Il y a au milieu de vous une présence que vous ne connaissez pas. Bien sûr, c'était historique. Jean rappelait au peuple ou aux hommes, aux femmes qui étaient là, qu'il y avait quelqu'un, en particulier la présence de Jésus, que vous ne connaissez pas encore dans son, je dirais, dans ce que porte cet homme, mais d'entendre dans ce langage intérieur qu'il y a en nous quelqu'un que nous ne connaissons pas encore, qui nous habite. Cette présence intérieure que nous ne connaissons pas. Qui est ce « je suis », cette présence. Et ce chemin de connaissance dans la tradition biblique, c'est ce chemin d'amour. Connaître, c'est pénétrer. Connaître, ce chemin de connaissance est un chemin de pénétration. Nous ne le connaissons pas parce que nous n'avons pas encore pénétré dans nos profondeurs. Nous n'avons pas encore fait œuvre mal, nous dira la tradition biblique, hébraïque. Faire œuvre mal, c'est descendre dans nos profondeurs, dans un chemin de connaissance, dans un chemin de pénétration, d'épousaille de ce que nous ne connaissons pas encore, pour un chemin de connaissance, pour un chemin de révélation et de croissance de l'arbre de vie qui vient nous habiter. Oh,
Dans la tradition de l'orthodoxie, aussi la tradition de l'Église ancienne, quand on parle du cœur, on parle aussi du cœur physique, mais on parle aussi plus que du cœur physique. Et en Occident, c'est vrai que quand on parle du cœur, on associe l'organe cœur à la fonction émotion ou sentiment. Dans la Bible, la notion du cœur est beaucoup plus large que la notion émotionnelle ou affective. Dans la Bible, comme dans la plupart des livres de l'ascétique orthodoxe, en fait, des livres ascétiques, les livres des différents moines, des différents ascètes, donc de ceux qui font des exercices pour révéler, enfin des exercices. Le mot ascète, ce sont ceux qui effectivement s'entraînent à travers des pratiques, parfois un petit peu extrêmes, mais qui sont aussi des pratiques qui ont leur sens, à mourir à eux-mêmes, à ouvrir cette nature, cette tunique de peau animale, sans la renier, mais l'ouvrir pour l'offrir et de moins en moins en être esclave. Donc c'est tout un traité d'ascétique, de ces exercices de ces pères. Il est dit que le cœur a une signification beaucoup plus riche. C'est l'organe principal de l'être humain. Physique et spirituel, c'est le centre de la vie. De manière même plus générale, dira saint Paul, c'est l'homme intérieur. Quand on parle du cœur, c'est souvent une notion beaucoup plus large que le cœur organe. Bon, c'est vrai qu'on peut le centrer au niveau du centre cardiaque, mais on pourrait dire que c'est ce centre d'où partent et où arrivent tous les mouvements psychiques et spirituels. C'est vraiment une fonction très très large dans la Bible. Là, je vais citer, le cœur inclut les émotions, certes, mais bien davantage, il embrasse tout ce qui constitue ce que nous appelons une personne. Écoutons là quelqu'un comme saint Macaire, saint Macaire de Cété, qui a vécu à la fin du IVe siècle. Écoutons ces anciens nous parler du cœur. Le cœur gouverne tout l'organisme corporel et règne sur lui. Et quand la grâce possède le cœur, elle gouverne tous les membres et toutes les pensées. Car c'est dans le cœur que se trouve l'intellect et toutes les pensées de l'âme, ainsi que ses désirs. Un peu plus loin, il dira, saint Macaire, « Le cœur est d'une profondeur insondable. Il s'y trouve des salles de réception, des chambres à coucher, des portes et des portails, de nombreux bureaux et passages. On y trouve l'atelier de la justice comme celui de la méchanceté. La mort et la vie sont en lui. Le cœur est le palais du Christ. C'est là que le Christ, notre roi, vient prendre son repos avec les anges et les esprits des saints. Il y demeure, le parcourt et y établit son royaume. Le cœur n'est qu'un petit vaisseau et pourtant il s'y trouve des lions, des dragons et des créatures venimeuses et tous les raffinements de la méchanceté. Il s'y trouve des sentiers rugueux et raboteux et des gouffres béants. Mais Dieu s'y trouve également et aussi les anges, la vie et le royaume, la lumière et les apôtres, la cité céleste et les trésors de la grâce. Tout est là. Le cœur, c'est cet espace donc très, très complexe avec beaucoup de salles, de demeures, où cohabite l'accompli, cohabite la lumière, cohabite le meilleur et en même temps cohabite le pire, le meilleur et le pire. C'est pour ça que les anciens verront dans tout le travail de la vie spirituelle, le sens de la vie spirituelle, c'est tout un travail de purification du cœur. Le cœur, à terme, devrait devenir ce miroir qui reflète parfaitement la lumière incréée. Et le cœur devrait devenir cet espace-temple où le Christ vient siéger, en d'autres termes, où il vient siéger sur le trône qui lui est imparti. Mais aujourd'hui, il est clair que dans le cœur, ce n'est pas le Christ qui règne.
Pour beaucoup d'entre nous, dans le cœur, ce qui règne, ce sont ses passions. Ce sont tout ce que nous avions rappelé tout à l'heure. Et il n'y a surtout pas à le, je dirais, à le renier et à le fustiger. Mais c'est d'entendre qu'il y a là, effectivement, des mouvements qui habitent le cœur et qui fait que notre cœur n'est pas pur, il est divisé. L'une des notions de pureté du cœur, c'est un cœur divisé. Et c'est vrai que dans notre cœur, il y a bien souvent des pensées ou des sensations très contradictoires. Donc tout le sens de notre chemin spirituel, c'est une unification, une purification du cœur, de rendre le cœur unifié et rendu à la lumière. Et c'est pour ça que dans la tradition des anciens, plus le cœur va être imprégné de la présence du Christ, plus, quelque part, en reflétant la présence divine, plus il va nourrir les organes des sens et plus, finalement, eh bien, on va être capable de voir Dieu. On voit Dieu, c'est vraiment le sens du chemin spirituel. On voit Dieu dans les différentes choses, dans les différents êtres, avec une vision transfigurée, parce qu'on fait Dieu. C'est-à-dire que Dieu, désormais, siège dans le trône du cœur. Progressivement, de laisser la première place au Christ et aux anges et à tous ses saints. D'avoir cette vision sanctifiante du monde. Bon, c'est tout un chemin. Tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme. Pour l'instant, on fait ce qu'on peut. On aime avec nos manques, avec nos attachements, avec nos difficultés. Mais c'est tout un chemin d'aimer librement, d'aimer comme le Christ nous a aimés. Et là, ce que nous disent les anciens, c'est justement ce grand thème de l'union entre l'intelligence et le cœur. C'est un des grands thèmes de la tradition orthodoxe, d'unir l'intellect et le cœur, la fonction analytique, la fonction rationnelle et le cœur. Parce que ce que nous dit finalement certains des anciens, aussi longtemps que l'être de prière prie avec l'intellect, c'est-à-dire avec le mental, avec la tête, il agit uniquement avec les ressources de l'intelligence humaine. Et à ce niveau, là je cite Théophane le Reclus, il ne réalisera jamais une rencontre personnelle et immédiate avec Dieu. Il pourra avoir des idées sur Dieu. Il pourra avoir des concepts. On pourra parler au sujet de Dieu. Mais lorsqu'il y a une rencontre personnelle avec Dieu, c'est parce qu'il y a une notion d'amour. Ça se passe dans le cœur. Il y a une descente de l'intellect, de la tête, dans le cœur. En effet, il ne peut y avoir de connaissance directe de Dieu sans un amour très intense. Et un tel amour doit venir non du cerveau seul, mais de l'homme tout entier, donc lorsque l'intellect descend dans le cœur. Ce que nous disent les anciens dans la tradition de l'origine, c'est que l'être humain a été conçu, je dirais, avec une capacité de connaissance, une capacité d'intelligence, une capacité désirante. Nous sommes créés à l'origine pour adorer Dieu, pour le désirer, pour l'accueillir. Nous sommes créés aussi pour le connaître, pour connaître son mystère. Pour le connaître, pas complètement, il y aura toujours une part qui nous échappera, mais en tout cas, à la mesure où Dieu voudra se donner à nous, il y a une fonction de connaissance qui est inhérente à l'être humain. Et au départ, c'est comme si cette fonction de connaissance était associée au cœur, comme si l'intelligence, qui est l'outil de la connaissance, était associée au cœur, et que cette fonction de connaissance, elle était contemplative essentiellement. C'est-à-dire qu'au départ, cette fonction de connaissance de l'être divin était nourrie perpétuellement dans une juste relation d'un cœur humain ouvert à l'être divin, dans une relation de collaboration, et qui fait que toute la fonction de connaissance et d'intelligence de l'être humain était nourrie sans arrêt par l'être divin. Dans cette fonction de rencontre et de révélation de l'amour, dans cette fonction où l'intelligence avait une fonction circulaire, elle contemplait dans le cœur. Qu'est-ce qui se passe après la catastrophe originelle? Lorsqu'il y a la chute, ce que les anciens appellent la chute, c'est-à-dire la perte du lien avec le Seigneur, avec la source. C'est comme si dans cette rupture, le cœur chute, on pourrait dire, dans le composé humain. Et c'est comme, si vous voulez, si à ce moment-là, la fonction de l'intelligence qui continue à avoir son désir de connaissance n'étant plus nourrie
par le seul qui pourrait le nourrir, c'est-à-dire l'être divin, puisqu'il est coupé, sort du cœur et désormais va se disperser dans sa fonction de connaissance en cherchant à connaître dans une forme de dispersion dans les éléments extérieurs. C'est comme si à ce moment-là, il y a une dissociation entre le cœur et l'intelligence, qui devient désormais de moins en moins contemplative, mais de plus en plus analytique. Comme s'il y avait là, je dirais, une fonction de l'intelligence qui dégénère, hein, et désormais, cette fonction de l'intelligence, de la connaissance, quitte le cœur et n'est plus désormais animée d'une fonction circulaire, contemplative, mais désormais, elle devient cette fonction rationnelle, analytique, décortiquante, qui est complètement atomisée et dispersée à l'extérieur. Et cet outil mental, hein, donc qui devient cette fonction rationnelle, n'est plus nourri dans une contemplation par Dieu, et cette fonction mentale se nourrit des sensations de l'âme. Hein, il y a une dégénérescence, on pourrait dire, de cette fonction intellectuelle, et en même temps, elle devient autonome. Désormais, le cerveau et le cœur sont séparés. Et là, nous disent les anciens, c'est vraiment un état de schizophrénie, pratiquement, hein, que nous vivons tous à un moment donné. Et qui fait qu'aujourd'hui, hein, de manière très concrète, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, souvent, on peut rencontrer des êtres totalement dans le cœur, émotionnels ou sentimentaux, ben, je vais être caricatural, je dirais, hein, mais coupés de l'intelligence. Ou parfois, pour certains, hein, on rencontre parfois certaines personnes qui sont complètement dans la tête et où le cœur est coupé. Bon, c'est jamais complètement aussi net que ce que je viens de dire, mais on a parfois du mal à faire cohabiter à la fois le cœur et la fonction rationnelle, la raison et le cœur, hein, qui s'opposent. Et donc là, pour les anciens, c'est cette union, cette descente de l'intellect, du mental dans le cœur. Hein, cette capacité à nouveau à associer le mental et le cœur. Un exemple très concret, hein, quelle difficulté on a pour rester vraiment dans le silence. Hein. Cette fonction contemplative, on l'a perdue aujourd'hui. On peut la retrouver un petit peu de temps en temps, mais on est sans arrêt mu par le mental, qui est un fonctionnement complètement autonome. Toute la démarche, hein, qui est très très importante de la prière du cœur, c'est justement, hein, de faire descendre l'intellect dans le cœur. Hein, donc là, on va essayer de décrire un petit peu ensemble, à travers certains textes, ce que disent les anciens. « Tout votre désordre, nous dit Théophane le Reclus, tout notre désordre intérieur provient de la dissociation de vos puissances. L'intellect et le cœur vont chacun de leur côté. Vous devez les réunir. Alors le tumulte de vos pensées cessera et vous aurez un gouvernail pour diriger votre barque, un levier qui mettra en mouvement votre monde intérieur. Comment peut-on réaliser cette union ? Donc, ce que nous propose la tradition, prenez l'habitude de prononcer ces paroles « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Aie pitié de moi, avec l'intellect dans le cœur. Descendre dans le cœur. Quand vous aurez appris à le dire comme il convient, ou plutôt quand elle se sera greffée dans votre cœur, tout cela vous conduira à la fin désirée. Je fais vraiment référence à ces textes russes parce que c'est vraiment eux qui décrivent le plus précisément possible cette descente de l'intellect, cette descente du mental dans le cœur. Vous devez descendre de votre tête dans votre cœur. Pour le moment, vos pensées sont dans votre tête. Et Dieu, lui, semble être en dehors de vous. Aussi, votre prière et tous vos exercices spirituels restent extérieurs. Tant que vous serez dans votre tête, vous ne pourrez pas maîtriser vos pensées qui continueront à tourbillonner comme la neige sous le vent d'hiver ou les moustiques pendant les chaleurs de l'été. Alors chaque fois que les pensées vous envahiront, vous n'aurez qu'à descendre dans votre cœur et les pensées s'envoleront. Hein? Vous vous trouverez dans un endroit réconfortant et sûr. Ne soyez pas paresseux, descendez. Hein? Donc là, l'exercice, encore une fois, c'est de descendre, hein, notre attention. Et c'est là qu'effectivement Théophane le Reclus va nous dire comment faut-il interpréter l'expression « concentrer l'intellect dans le cœur ». L'intellect est là où se trouve l'attention. Concentrer l'intellect dans le cœur veut dire établir l'attention dans le cœur. Descendre l'attention dans le cœur et voir mentalement devant soi le Dieu invisible est toujours présent. Ce
Cela veut dire se tourner constamment vers lui dans la louange, l'action de grâce, la supplication, tandis qu'on veille à ce que rien d'extérieur ne pénètre dans le cœur. C'est tout le secret de la vie spirituelle. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и пресно и во веки веков. Une des premières manières de couper le mental, hein, c'est de passer à la sensation. Hein, c'est pour ça que souvent dans les promenades, on essaie bien de toujours écouter ou voir, parce que le cerveau humain est créé de telle façon qu'on ne peut pas et penser et ressentir. Donc dès qu'on passe dans la sensation, dès qu'on passe dans la conscience de la sensation du corps que nous sommes, hein, d'être totalement absorbé dans le bruit de l'oiseau, dans l'écoute, hein, dans le réel, on ne peut pas être dans le mental. Hein, quelque chose là qui est très important à rappeler pour, pour certains d'entre nous qui peuvent être très parasités par le mental, hein, l'une des clés est de vraiment descendre dans la sensation. Sensation, donc ce qui fait que pour certains aujourd'hui, il sera peut-être facile, quand on vient de commencer par exemple par des exercices avant de commencer la prière du cœur. Ça peut être difficile pour certains de descendre tout de suite dans la prière et de faire pourquoi pas des pratiques, des étirements, faire un exercice physique, et d'être vraiment présent au corps, au physique, et qui fait que ça s'est apaisé et la prière vient beaucoup plus facilement. Je crois que là ça peut être des exercices très concrets. Plutôt que de se forcer à tout prix à prier. Il y a une notion là de commencer pour certains des exercices. Alors pour certains, ça peut être aussi de commencer une lecture qui va chauffer un peu le cœur. La lecture des livres saints ou de textes qu'on peut lire ou même de chanter. Le fait de chanter, le fait de mettre en vibration, donc les centres peuvent vraiment nous aider à entrer plus facilement dans cette descente dans le cœur, à calmer le flot des pensées. Si certains veulent rentrer dans un chemin de pratique un peu avant, avant d'installer, avant que naturellement s'installe la prière. Et que là, bien souvent, dans un corps détendu, un corps étiré, un corps où on est rentré donc dans la sensation du corps, la prière vient beaucoup plus facilement. Ou une marche, vraiment là, ça peut vraiment être là pour certains d'entre nous, des exercices physiques. Quelque chose également qui va être important, c'est au niveau de la respiration. Pour certains, là où on va pouvoir contrôler un petit peu le flot du mental, encore une fois, là on rentre dans la sensation, c'est vraiment particulièrement nous concentrer, nous rassembler autour de la respiration. Et en particulier en insistant sur l'expiration. L'un des moyens vraiment pour contrôler, apaiser le mental, c'est approfondir l'expiration, voire même rester un petit peu en rétention à poumons vides, qui fait que naturellement, eh bien, le mental s'apaise. Le flot du mental s'apaise. Quelque chose qui peut aussi beaucoup apaiser le mental, c'est ralentir le rythme. De vous mettre à marcher au ralenti, ou à faire des actes extrêmement ralentis. D'emblée, dans cette relation entre la psyché et le corps, tout se ralentit. Bon, tout ça, vous le savez, ce sont des banalités que je rappelle, mais c'est pour nous rappeler tous ces moyens habiles dont nous disposons pour apaiser
pour faire que ce mental n'ait plus, hein, pour certains d'entre nous, cette espèce d'emprise tyrannique parfois, qui fait qu'on est sans arrêt dans le mental. Hein, littéralement possédé par un outil qui ne nous laisse jamais en paix et qui surtout nous coupe sans arrêt de l'instant. Et là, je crois qu'il y a un des maîtres mots, hein, je crois, qui pourrait beaucoup nous aider aussi, hein, c'est la conscience de l'instant. Hein, vous vous rappelez cette parole de Jésus lorsque il délivre cette parole à la Samaritaine. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la Bible, et c'est maintenant, c'est entre parenthèses. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce maintenant. C'est ici et maintenant. Hein, c'est maintenant, et on a beaucoup oublié dans le christianisme cette notion de l'instant. Le Christ est le maître de l'instant. On le retrouve dans l'instant. Kairos, hein, l'instant. Il est vraiment l'accomplissement de... Hein, c'est vraiment le maître de l'instant. Hein, lorsque tout est apaisé en nous, hein, je dirais lorsque ces tentacules du mental nous laissent respirer, ce qui se révèle là, c'est le Christ, c'est l'instant. Cet instant qui nous ouvre les portes à l'éternité. Le mental, par définition, vous le savez, hein, nous coupe de l'instant et nous mène sans arrêt dans le passé ou dans le futur. Ou bien sans arrêt dans le souci du futur. Donc là, quel grand exercice, hein, d'être présent dans l'instant. Воскликните, Господи, веселя! Les quatre évangélistes rappellent ce moment particulier, vous savez, hein, de l'immersion dans l'eau. À l'époque, associé à ce passage de la Bible, il y a un personnage étonnant qui est Jean. Jean le baptiseur, Jean l'immergeur. Jean, vous le savez, c'est celui qui, dans la tradition, est là pour préparer le chemin. Hein, c'est celui qui justement, dans le peuple d'alors, dans l'histoire d'alors, se fait la parole de Dieu, hein, ce prophète, cette parole de feu, hein, qui vient, je dirais, mobiliser le peuple et le préparer à se retourner parce que Dieu va s'incarner. Dieu est en train de s'incarner. Dieu s'est déjà incarné dans la personne de Jésus. Et Jean, sa mission, c'est de préparer le peuple. Il crie dans le désert et il prépare le peuple pour la rencontre avec Jésus, avec le Christ. Donc il a une voix, Jean, hein, cette voix tonitruante, hein, cette voix comme dans les prophètes. Jean, c'est le prophète de la tradition, on dira que c'est le dernier des prophètes. C'est celui qui synthétise tout l'appel des prophètes du Premier Testament. Hein, Shema Israël, écoute Israël, hein, tous ces prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée, Daniel, tous ces êtres qui ont toujours été stimulés et suscités dans la tradition de l'Église au moment où le peuple traverse une crise. La voix du prophète, c'est la voix qui nous ramène sans arrêt à l'essentiel. Cessez de vous perdre, cessez de quitter sans arrêt ce lieu de vous-même qui est le centre de votre être. Et Jean, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit « repentez-vous ». Repentez-vous, c'est-à-dire retournez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche.
Jean, c'est cette voix qui crie aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Hein, repentez-vous, retournez-vous. Jean, dans cette intériorisation, il veut nous dire, retournez-vous vers l'orient de votre être. Et Jean, pour préparer les êtres à devenir plus humbles, il les immerge dans l'eau du Jourdain. Hein, comme un potier, je dirais, Jean, c'est comme si le potier divin, à travers Jean, utilisait son humanité pour immerger toutes ces terres dures, desséchées, pleines d'elles-mêmes, ces terres orgueilleuses, et les immerger dans l'eau, pour les purifier, pour les laver, et pour les rendre plus humbles. Hein, le baptême de l'eau, c'est vraiment ce baptême dans le Jourdain, qui est vraiment ce baptême de l'immersion dans l'eau. Purification, nettoyage des mémoires. Et aussi, cette capacité, si vous le voulez, là on est vraiment dans le travail du potier, où finalement nos terres sont devenues des terres dures, nos cœurs des cœurs de pierre. Comment est-ce que l'Esprit Saint, comment est-ce que l'eau vive, comment est-ce que la vie peut à nouveau recirculer si nous restons durs? C'est pour ça que tout le travail que nous avons à avoir à faire, c'est un travail d'humilité. Un travail d'ouverture de la terre, pour la rendre plus humble, pour nous laisser être travaillés, être faits de l'intérieur par l'Esprit. Tout le travail de la prière, justement, hein, que nous faisons, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur, au secours, viens à mon aide. C'est ce moment, justement, où nous sommes travaillés, où nous sommes immergés dans cette humilité, là où on se reconnaît fragile, là où on se reconnaît à côté de la vie, là où on se reconnaît tout impuissant. Au secours, viens à mon aide. C'est ça ce travail de l'humilité. Là où on est travaillé, et pour certains d'entre nous, c'est des larmes à ce moment-là qui viennent. Donc le passage de Jean, l'immersion de nos matières dans le baptême, hein, ça a vraiment à la fois ce rôle de purification, ce rôle de nettoyage des mémoires vraiment qui nous habitent, mais aussi un rôle d'humilité, de nous rendre plus humbles, plus disponibles, plus ouverts à l'information créatrice. Donc Jean, à l'époque, est celui qui prépare, celui qui immerge. Hein, je vous rappelle que le mot baptême, baptiséen en grec, c'est être immergé. Hein, quand on disait qu'on coulait un bateau à l'époque, on le baptisait. Être baptisé, c'est être immergé dans l'eau. Et puis, Jésus s'approche. Il a à peu près 30 ans. Il a beaucoup travaillé, sans doute, avec son père. Il a appris. Ce métier d'homme, Jésus, très peu savent vraiment qui il est, hein, puisque sa naissance a été accompagnée ou a été suivie par très peu de personnes. Certes, il y a eu des événements miraculeux dans son enfance, mais depuis, on ne sait plus trop qui est cet homme. Et lorsque Jésus s'approche du Jourdain, en fait, Jean, d'un seul coup, il pressent qui est Jésus. Il pressent qu'en cet homme, il y a quelque chose d'unique. Il est l'incarnation du Verbe, l'incarnation de Dieu. Et lorsque Jésus se présente devant le Jourdain, Jean dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas moi de te baptiser, c'est à toi de me baptiser. Et Jésus dit, non, que tout s'accomplisse, laisse faire, laisse s'accomplir ce qui est. Obéis au projet. Je m'approche de toi, donc Jésus s'approche, donc là il y a un mystère, et là Jésus va être immergé dans l'eau du Jourdain. Mais là, ce qui se passe quand il est immergé, en tout cas ce que nous dit la tradition, alors que le Jourdain servait à purifier, à rendre humbles les âmes et à les purifier, ces âmes, ces femmes, ces hommes, ce petit peuple qui était là, avec la voix de Jean tonitruante, lorsque Jésus rentre dans l'eau du bassin, du Jourdain en fait, hein, dans cette brèche, hein, de la terre, ce qui est étonnant, c'est que c'est comme si lui qui est porteur de cette présence divine, c'est comme s'il allait purifier l'eau du Jourdain. En fait, ce que nous disent les anciens, c'est comme si Jésus, en fait, descend. Hein, on revient à cette notion de descente. Il descend dans le Jourdain de l'humanité. Et qu'est-ce que c'est que le Jourdain de l'humanité? C'est tout l'inaccompli de l'humanité. En fait, Jésus est en train de descendre dans l'inconscient collectif de l'humanité. Le mot Jourdain, Yarden en hébreu, il y a ce mot Yarad. Le verbe Yarad, c'est descendre. C'est pour ça que, hein, quand on disait que monter et descendre,
Être baptisé, c'est descendre dans l'inaccompli. Le baptême, c'est vraiment cette descente dans l'inaccompli de l'humanité. Et il vient accomplir l'inaccompli. Il vient purifier, il vient libérer. C'est pour ça qu'il y a tout un ensemble de petits démons qui sortent de l'eau. Vous savez, qui, c'est comme si lui qui est l'Immaculé, lui qui est, si vous voulez, l'incarnation du fleuve de vie originelle, celui qui est pur, celui qui est totalement accompli en lui, eh bien, descend dans l'inaccompli de la création. Là, on est vraiment dans une rencontre de l'incréé et du créé, d'une visite du principe créateur, là où c'est putréfié, là où c'est inaccompli, là où c'est malade, là où c'est blessé. Jésus descend, Dieu descend dans cette blessure, dans cette brèche ici, dans l'inaccompli, qui est représenté d'ailleurs par des traits un petit peu sombres ici du Jourdain. Donc il y a une transformation qualitative de l'eau. Mais il y a aussi, de manière étonnante, une transformation quantitative. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'étonnant, ce que nous dit la tradition, c'est que lorsque Jésus descend dans l'eau du Jourdain, il y a comme un retournement du Jourdain. Là aussi, c'est intéressant à entendre. Le Jourdain, c'est un fleuve qui, en fait, descend et qui arrive dans l'histoire, dans la mer morte, dans la mer de sel, en fait. À l'origine, elle s'appelait la mer de sel, qui est la mer morte. C'est comme si, vous voulez, si l'humanité, finalement, charrie des énergies qui arrivent de la mer morte. Et là, lorsque Jésus descend dans le Jourdain, c'est comme si désormais l'eau du Jourdain était informée dans un retournement des énergies. Et que désormais, l'eau ne circule plus vers la mer morte, mais remonte à sa source. Il y a cette parole du psalmiste: qu'as-tu, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour jubiler? Qu'avez-vous, colline, pour sauter comme des béliers, comme des moutons, comme des agneaux? Il y a tout un psaume là qui nous rappelle cela. Le baptême du Christ est vraiment le signe, dans, je dirais, dans la matière du monde, d'une purification de l'eau et d'un retournement des énergies, qui fait que désormais, l'eau ne s'écoule plus vers la mort, mais vers la vie, revient à la source de l'eau vive. Pourquoi je vous parle de tout cela? C'est parce que dans la prière du cœur, dans l'invocation du nom de Jésus-Christ, on peut très bien imaginer finalement que faire descendre Jésus dans notre corps, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, c'est vraiment ouvrir, c'est faire descendre Jésus dans notre Jourdain intérieur, là où en nous, si vous voulez, nous charrions tout un ensemble d'énergies inaccomplies, ces mémoires de mort qui nous habitent dans notre sang. Le long de la colonne vertébrale, dans tout notre sang, nous charrions des énergies, des mémoires, des injonctions de mort. Tu n'as pas le droit, tu peux pas, tu es né pour mourir. Enfin, cette espèce d'injonction, quelque part, qui pollue, qui parasite et qui nous font désespérer de la vie. On sait bien aujourd'hui, à travers certains messages, toute l'importance de la mémoire de l'eau. Toutes nos programmations, de nos lignées, finalement, de ces non-dits, ces mots qui nous habitent depuis des générations, sont véhiculés par l'eau à l'intérieur. Quelque part, par notre sang, nous charrions ces mémoires à l'intérieur, qui sont des injonctions de lignées entières. Au cœur de notre ADN, nous sommes formés de 70% d'eau, je crois à peu près, 70-75% d'eau. Donc, on peut entendre l'importance de l'eau. C'est comme si, d'un point de vue cosmique, il y a 2000 ans, l'eau avait été déjà informée de la vie. Mais c'est comme si on l'avait oubliée. C'est comme si avait été déposée cette mémoire de l'eau vive par le baptême du Christ, par cette recréation de l'eau il y a 2000 ans. Mais c'est comme si maintenant, on avait à le vivre personnellement dans nos propres jourdains intérieurs. Et que faire descendre cette présence du Christ dans l'invocation du nom de Jésus-Christ, c'est ni plus ni moins laisser cette présence venir s'immerger dans notre Jourdain intérieur pour clarifier nos mémoires, faire descendre le Christ. Et le Christ, on le fait descendre parce que nous-mêmes, on descend avec lui. Il va descendre en nous avec l'ange, enfin, il descend en nous dans la mesure où nous, on collabore au projet, dans la mesure où nous, on dit oui à cette descente. Là où on va s'ouvrir, là où on va descendre avec lui, où on va accepter d'ouvrir notre mémoire, là où justement on a notre matière, notre sang est truffé d'implants.
C'est monumental ce qu'a accompli le Christ. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en nous, si lui l'a accompli, c'est qu'il a ouvert ce passage désormais entre la matière et la lumière, à travers la mort, à travers la croix, à travers l'absurdité. Ça veut dire que si on entend cela aujourd'hui, ça veut dire que même maintenant, dans nos épreuves insoutenables, si on se relie au Christ, on peut traverser. Parce que lui, il l'a fait. Et il l'a fait parce qu'à un moment donné, il a goûté à la croix un moment où il ne sent plus Dieu en lui. Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? On pourra dire, mais il était vrai Dieu, c'était facile pour lui tout ça. Mais il y a un moment donné où il rejoint l'humanité, il ne sent plus Dieu en lui. Et pourtant là, il est capable de pardon. Comment, donc là, par la prière justement, faire descendre cette présence du Christ, un petit peu comme un rayon laser qui vienne opérer dans ses implants. Pour travailler dans la mesure où l'être collabore et est d'accord avec ce principe de guérison, comment on pourra donc faire immerger cette présence du Christ dans la prière ? Seigneur, c'est Christ, fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Dans l'expiration, viens, viens, viens. Et on sent que plus on ouvre et plus on expire, c'est comme si on faisait ouvrir cette matière. Viens, viens, viens. Comme si on ouvrait notre sang de plus en plus à cette présence intérieure. Pour laisser descendre Jésus, laisser pénétrer cette présence vivifiante dans notre sang, dans notre matière, dans notre eau intérieure. Il y a une libération de l'eau et en même temps, il y a un retournement des énergies. Où désormais, eh bien, dans cette dimension-là, je dirais, dans cet espace qui est touché, ça ne va plus vers la mort, vers la mer morte, mais désormais, ce qui était perdu est vivant. Ce qui était mort est à nouveau en vie. Ça remonte vers la source. C'est à nouveau relié à la source. Vous sentez dans tous ces espaces d'hémorragie intérieure, par cette injonction, par cette descente, par cette invocation, c'est comme s'il y avait un processus de retournement intérieur qui désormais, eh bien, dans cet espace-là, lorsqu'il est visité par le Christ, au plus profond de nous-mêmes, nous réoriente vers la source. Là, on touche à de l'intime, on touche à ce qui nous habite au plus profond de nous-mêmes. Là où en nous, il y a des hémorragies. Ça continue à avoir des pertes de sang subtil ou des pertes d'énergie subtile. Dans ces trouées, dans ces corps subtils, dans ces pertes d'énergie, le baptême devient ce moment particulier où il y a cette communication entre la matière et le ciel. C'est-à-dire que c'est ce moment particulier où lorsque nous sommes baptisés, là où nous sommes coupés des cieux, là où nous ne nous vivons plus comme fils et filles de la lumière, eh bien c'est à ce moment-là où se recrée le lien. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est ce qui se passe quand en nous, dans nos matières, dans nos mémoires, dans nos espaces où nous sommes en conflit, nous sommes blessés, nous sommes meurtris, là où nous sommes enfermés en nous-mêmes, et lorsque nous faisons descendre en nous la présence de la vie, lorsque d'un seul coup, si vous voulez, enfin d'un seul coup, malheureusement c'est pas d'un seul coup, c'est souvent relativement long, mais je dirais, ça se retourne et ça vit en nous, il y a quelque chose qui se libère. Il y a du pardon qui est là, quelque chose qui, ça a sauté à l'intérieur et ça vit à nouveau. Et on a l'impression qu'à ce moment-là, c'est comme si on était né à l'intérieur. C'est comme si on entendait à l'intérieur, dans cet espace-là, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi est tout mon amour, en toi est toute ma faveur. » Il y a en nous une partie de nous-mêmes qui se découvre, qui se révèle comme fille et fils de la vie. Est-ce que vous sentez ces moments qu'on a pu toucher tous, je crois, dans des moments de libération où il y a en nous, je dirais, une particule, une cellule ou une partie de matière qui se découvre engendrée de l'intérieur et reliée à la source. Non, ça, ces moments où ça se libère. Ça y est, on se sent, tout ce qui était perdu est à nouveau retrouvé. Tout ce qui était mort est à nouveau vivant. Et ça jubile. Ça jubile à l'intérieur, ça jubile au ciel.
Господи, возвать Тебе, услыши меня, услыши меня, Господи. Господи, возвать Тебе, услыши меня, вольми глаз в одненья моего, века возвать к Тебе, услыши меня, Господи. Consciemment, confusément, plus ou moins clairement pour certains, nous répondons à un appel. Et je vous rappelle au passage que, à l'origine, l'Église, le mot « ecclesia » en grec, le verbe grec « ekkeleia » veut dire « convoquer ». Hein, l'Église est une assemblée d'hommes et de femmes qui sont convoqués, hein, qui répondent à un appel. Nous sommes des appelés. Nous sommes appelés. Nous sommes appelés par la vie en nous. Nous sommes appelés par un rêve qui est déposé au plus profond de nous. Ce rêve qui est un rêve d'accomplissement, hein, ce rêve de cette nostalgie, hein, ce rêve de liberté, ce rêve d'unité, ce rêve de paix, hein, ce rêve d'amour, ce rêve de tous ces mots de conscience que nous pouvons porter au plus profond de nous-mêmes. Et le drame de l'être humain, c'est qu'on a oublié ce rêve. Le drame de l'être humain, c'est qu'on passe son temps à oublier l'appel. Hein, et on oublie l'appel parce qu'on est sans arrêt, parce qu'on n'entend plus, parce qu'on n'écoute plus à l'intérieur. Hein, et je crois que l'un des drames de notre humanité aujourd'hui, dans quelque milieu que nous soyons finalement, c'est que nous sommes tellement dispersés à l'extérieur, hein, assujettis et, je dirais, en train d'être littéralement hypnotisés et esclaves de cette plaine de Shinéar que nous traversons, qui est notre vie quotidienne. Hein, dans le langage biblique, la plaine de Shinéar, c'est littéralement l'espace où ça beugle, hein, où ça jacasse. Hein, c'est l'espace du bruit en nous. Donc bien sûr que c'est le monde social, c'est tout ce qui est le bruit à l'extérieur, mais c'est aussi bien sûr en nous tout ce qui, hein, tout ce qui constitue, hein, notre tunique de peau, hein, notre humanité, nos mémoires qui sont bruyantes à l'intérieur et qui fait qu'on passe son temps sans arrêt à réagir à des injonctions inconscientes, hein, des injonctions qui nous habitent. C'est le bruit de nos lignées, c'est le bruit de la morale d'une société, c'est le bruit d'église, d'une morale religieuse, tout un ensemble d'inconscients qui nous habitent. Mais il y a à l'orient de notre être, donc plus profond que cette plaine de Shinéar qu'on a traversée, il y a une source, la source d'eau vive, quelque chose qui nous fait espérer, hein, des avenirs bienheureux, hein, une espèce de on porte toute cette nostalgie. Hein, c'est vraiment en nous, dans cette dimension intérieure, le paradis, hein, le pardès. Hein, le pardès, je vous le rappelle, c'est le jardin des délices, le jardin de la jouissance, hein, des réjouissances. Hein, c'est aussi l'Éden. L'Éden, le mot Ed en hébreu, c'est associé à la vapeur. C'est aussi le jardin c'est l'espace en nous du plus profond désir. Et ce qui est étonnant finalement, c'est que nous sommes créés pour désirer la vie, hein, pour l'accomplir, pour la manifester, pour la signifier. Et finalement, je crois que dans le monde atomisé, dispersé, et nous oublions finalement ce qui nous habite au plus profond de l'intérieur, et c'est pour ça que nous sommes malheureux. C'est pour ça que nous sommes malades à terme, hein, que ce soit à la fois spirituellement, psychologiquement ou même physiquement, c'est qu'on a oublié, hein, ce qui nous oriente à l'intérieur. Dans la tradition des anciens, on leur verra, hein, on dit que nous sommes désorientés. Hein, on a perdu cette orientation, on a perdu notre est intérieur, on a perdu notre soleil intérieur. Et tout le chemin, je crois, qui est important, et je crois que des moments où on se retrouve ensemble, c'est justement d'apprendre à réorienter le miroir du cœur vers notre orient intérieur. Encore une fois, quel que soit le nom, le visage, ou je dirais la forme religieuse que prend cet orient intérieur.
On n'est pas là pour imposer une religion ou dire que telle ou telle religion a la vérité. Hein, je crois qu'on a tous une manière unique de nous relier à la vie. Hein, je crois que ce qui va être important, c'est qu'une tradition spirituelle, à un moment donné, va être vivante si elle nous aide à nous relier personnellement, hein, à la source d'eau vive, à nous rendre vivants, à nous rendre humains, parce que plus divins, et à nous rendre plus intelligents, plus tolérants, de plus en plus libres. Hein. Quels que soient encore une fois les archétypes, les images structurantes qui nous habitent à l'intérieur. Hein. Et là, je crois que chacun, là, on a vraiment à respecter chacune de ces images qui nous habitent. Hein. Quelle est l'image du père, l'image de la mère, l'image du fils. Hein. Chaque tradition propose différents types. Et donc ce temps de, je crois aujourd'hui ensemble, hein, je crois qu'on l'a plus ou moins tous nommé, dans ce moment de fraternité, hein, il est plus facile bien souvent de nous relier, de réorienter le miroir du cœur lorsqu'on est ensemble. Hein, comme si, je dirais, la somme de nos, je dirais, de nos, la force qui émerge du groupe est plus importante que la somme de toutes les forces réunies. Hein, je crois que là, il y a une forme de synergie, hein, qui fait que ça sera aussi un chemin important à entendre, c'est qu'on ne se sauvera pas tout seul. L'avènement du royaume, l'avènement, je dirais, du royaume au cœur du monde, de l'oubli, c'est au moment aussi où on comprend que on va commencer à vivre non plus uniquement à travers un jeu, mais aussi à travers un nous. C'est passer du jeu au nous. Hein, l'avènement du royaume, c'est ensemble. Hein, c'est pour ça que je crois que là, il y a un mystère et une célébration à entendre. Hein, c'est qu'effectivement, à un moment donné, on risque d'être hein, on risque d'être saisi dans l'esprit, hein, par quelque chose, hein, dans ce nous, dans ce groupe, hein, qui va effectivement nous rendre souvent tellement plus intelligents et plus aimants que l'intelligence ou que l'amour qu'on peut avoir. Hein, il y a quelque chose d'autre qui vient nous rejoindre. Et que c'est comme si là, par rapport au groupe, on avait une responsabilité de pouvoir aussi être là présent. Et l'un des grands thèmes qu'on reverra beaucoup, hein, c'est d'être attentif. D'être là présent et vigilant. Hein, le mot vérité en grec, le mot aletheia, qu'on retrouvera, la vérité, le mot aletheia, hein, c'est. Je crois qu'il y a une approche intéressante en grec. Aletheia, c'est littéralement a privatif letheia. C'est donc letheia, si on décortique ce mot grec, lethe, c'est ce qui est le sommeil, la léthargie en français, ça pourra donner. Aletheia, c'est d'être littéralement en dehors du sommeil. C'est vraiment donc d'être éveillé, hein, d'être vigilant. Comme si on pourrait dire être vrai, c'est être éveillé au réel, c'est être conscient du réel, c'est être vigilant à ce qui est ici et maintenant. Hein, c'est être conscient et être attentif à ce qui est vrai dans l'instant. Hein, la vérité, c'est le réel. Hein, c'est ce qui est au-delà des apparences. Là où bien souvent on ne s'arrête qu'aux apparences, on va être invité à entrer et à pénétrer au-delà de la forme et à découvrir le réel, la chair du monde à l'intérieur, hein, la lumière qui habite, qui est au-delà des formes. Donc c'est quelque part de réveiller en nous un regard ou d'ouvrir les organes des sens en nous qui nous permettent de nous laisser saisir par quelque chose qui est au-delà de la forme. Hein, de ne pas uniquement être au niveau de l'apparence et d'être, je dirais, convié à quelque chose qui va aller au-delà de la forme. Hein, la vérité, c'est quelque chose qui est de cet ordre-là, qui est un éveil. Et on est éveillé si effectivement on développe en nous cette qualité de l'attention et de la vigilance. Hein, c'est un des grands mots, c'est d'être attentif. D'être vigilant, attentif dans l'instant. Et l'une des caractéristiques de notre matière humaine qui est exilée, qui a oublié la source, on le sait bien, c'est qu'on est inattentif. On est absorbé dans plein de choses extérieures et on est rarement rassemblé dans l'instant. Hein, donc là, je crois qu'il y a vraiment peut-être quelque chose à entendre. Hein, on pourrait dire que cette attention, c'est une musculation, hein, pratiquement, parce que psychologiquement, on est inattentif. Hein, ce qu'il va falloir maintenant, c'est muscler en nous naturellement. Hein, on n'a pas été créé quelque part. Enfin, il y a quelque chose dont plutôt on a été créé, mais on l'a perdu. Il va y avoir en fait un exercice là, qui va être, je crois, qu'un temps de retraite, comme nous le partageons maintenant, peut être important pour, je dirais, raviver, stimuler,
réactiver, muscler ce corps de vigilance, être attentif, présent au vent qui souffle, à la fleur, à la marche, à la relation avec la terre, attentif à l'autre, attentif, vraiment de stimuler, de réveiller cet état d'attention au réel. Voilà cette question que Jean-Yves posait au Père Séraphin. Je voudrais prier, je voudrais apprendre à prier. Ce que j'ai pu lire dans des textes de la vie des saints ou des textes de la tradition, qui étaient des modes d'emploi ou des techniques, je puisse vraiment entrer dans une expérience. Que ce ne soit plus qu'une technique, ce soit vraiment une expérience intérieure. Le Père Séraphin était un homme assez étonnant. Lorsqu'il a rencontré donc celui qui deviendra plus tard le Père Jean Séraphin, Jean-Yves Leloup, comme tout père spirituel, à un moment donné, il va tester celui qui se présente à la porte de l'initiation pour savoir s'il s'agit d'un touriste spirituel ou pas. Dans nos chemins spirituels, parfois, c'est vrai que à travers certaines de nos questions, peut-être de nos chemins, certains maîtres parfois ou certains transmetteurs peuvent paraître un peu lointains ou même éventuellement soumettre un disciple à des tests, comme si il était important pour quelqu'un qui veut transmettre une information, et avec le précieux de l'information à transmettre, dans ce cœur à cœur, comme s'il y avait besoin de tester la soif de son disciple. Et que une transmission authentique, c'est deux soifs qui se rencontrent, près du puits, près de la source, et qu'il n'y aura pas de transmission finalement authentique, profonde, de cœur à cœur, s'il n'y a pas effectivement deux soifs qui se rencontrent. Finalement, on a surtout à apprendre à avoir soif. On a perdu le goût de la faim ou de la soif. Souvent parce qu'on est trop gavé d'informations ou de choses extérieures, mais retrouver cette soif ou cette faim de l'essentiel. Je crois que là, c'est une étape importante aussi, cette espèce de sensation profonde de revenir à l'émergence du geyser du désir en nous. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? On retrouve les questions que nous avions abordées tout à l'heure, où il y a même à un moment donné des choses qui vont nous paraître dans le chemin peut-être un peu, qui peut-être étaient importantes à un moment donné, puis qui vont peut-être nous paraître au fur et à mesure un peu moins importantes, plus accessoires, plus. Qu'est-ce qui est vital pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui est vital? Qu'est-ce qui fait que sans cela on ne pourrait pas respirer, on ne pourrait pas vivre? Et je crois que là on est. Je crois que c'est important là de vraiment savoir où on en est par rapport à cela et de ne pas se mentir. Que
tout est bien, je dirais, hein, mais d'entendre vraiment quelle est notre soif profonde. Et que là, dans cette demande par rapport à Jean-Yves, je voudrais apprendre à prier. Hein, c'était vraiment le père Séraphin du Moitose va beaucoup le tester, longtemps le tester, avant qu'il puisse lui transmettre une parole et un chemin, hein, qui puisse vraiment le faire fleurir et l'inviter à des chemins d'illusion. Hein, donc il y a vraiment toute une préparation qu'il a vécue. Et que là, donc à cette prière, à cette demande intérieure, je voudrais apprendre à prier. Apprendre à prier le cœur ouvert, le cœur intelligent, apprendre à prier peut-être comme ces saints pouvaient prier. Le père Séraphin, dans sa capacité de visionnaire hein, qu'il avait, Jean-Yves nous le rappelait souvent, c'était un voyant hein, dans le sens où il pressentait la matière et où en était l'autre vraiment dans son histoire, hein, dans l'instantanéité de son histoire. Le premier exercice donc que le père Séraphin lui propose n'est absolument pas un exercice d'ordre spirituel, apparemment. Il lui dit, avant de prier comme ces saints pouvaient prier, va d'abord t'asseoir près de ce rocher qui est là-bas et entends, écoute l'enseignement que peut te donner ce maître de méditation qui est le rocher, qui est la montagne. Et là, effectivement, commence tout un chemin d'initiation, qui est un chemin de guérison. Peut-être pour nous rappeler que, avant de prier comme un être humain, il faut peut-être apprendre à nouveau à entendre comment peuvent prier en nous, et comment peuvent prier dans la nature, le monde minéral, le monde végétal, le monde animal. Hein, et que l'une des causes, et le père Séraphin le savait bien, l'une des causes sans doute de notre malheur, hein, de notre état de schizophrénie un peu intérieure hein, qui nous habite, de dissociation entre l'intellect, avec le cœur, avec le corps, l'une des grandes causes de cette perte d'unité intérieure, c'est souvent parce qu'on a perdu le bon sens de ce langage de la nature. On a perdu le bon sens et on a perdu le sens de la prière des règnes en nous. Avant de prier, peut-être avec des grands élans divins, le danger c'est que ces prières pourraient devenir des chemins d'illusion parce que ça pourrait être des chemins de décollage. Des chemins au contraire, des chemins où on va être invité à quitter la matière. Des chemins où on va partir dans un chemin qui n'est pas un chemin juste, qui n'est pas un chemin d'incarnation. Et c'est pour ça que le père Séraphin, voyant en Jean-Yves un jeune philosophe, un être d'une grande intelligence et en même temps peut-être féru de connaissances ou peut-être d'un savoir, le ramène à une réalité essentielle qui est la réalité du corps. Hein, il lui dit, donc apprends effectivement d'abord à t'asseoir. Donc prier, et là commence donc, là je crois, tout un chemin qui peut venir nous rejoindre aujourd'hui, parce que le père Séraphin savait aussi qu'à travers Jean-Yves et à travers son charisme de la parole, il aurait à transmettre sans doute aussi ce chemin à tout un ensemble d'occidentaux, que dans un monde occidental où nous avons beaucoup privilégié justement le mental et où nous avons parfois délaissé, souvent délaissé, je dirais, cette dimension contemplative du corps, hein, eh bien il est important peut-être de lui transmettre une méthode qui puisse aussi convenir à tous ces êtres souvent un peu mal incarnés hein, que nous sommes. Donc la première expérience qu'il nous invite à vivre, c'est l'assise. La première information, hein, c'est une assise intérieure. La prière, d'abord, hein, c'est d'apprendre à pressentir en nous ce que peut être la prière du monde minéral. Hein, sentir, pressentir hein, comment une montagne peut prier. La prière de la montagne. Hein, la prière du monde minéral. Hein, et que si on rentre dans cette prière de la montagne, on va entendre que la montagne vit à un autre rythme que notre mental. Prier comme une montagne, c'est d'abord entrer dans son corps et goûter à la connaissance ou au retrouvail avec la sensation du poids de la matière, de l'importance de la matière. Hein, le sens de l'incarnation. Je dirais la connaissance intérieure d'un des grands mouvements qui habite la matière des univers, qui est la descente. Hein, descendre.
descendre en soi, descendre dans la matière, descendre dans le corps, descendre dans la terre. Avec ça, on touche là à une des grandes, à un des grands thèmes de la tradition, de l'Église en général. C'est que là où tous nous parlons dans nos discussions d'élévation spirituelle, les anciens nous disent « descendez ». Il n'y aura pas d'élévation spirituelle s'il n'y a pas de descente d'abord. Donc, c'est le premier mouvement qui correspond à le premier barreau de l'échelle, après l'affiliation, après la rencontre avec celui ou celle, en particulier donc celui pour le Père Jean-Séraphin, qui va lui transmettre dans ce cœur à cœur une méthode qui devienne l'entrée dans le mystère de cet art des arts qu'est la prière du corps, la prière de l'âme, la prière du cœur. Le premier mouvement qui est proposé là, c'est une attitude intérieure, d'une assise cellulaire, on pourrait dire. Que tout en nous s'assoit, assise cellulaire. Parce que pour qu'il y ait une ouverture, pour qu'il y ait une expansion vers le haut, sans que ce soit une dispersion ou une atomisation, il y a d'abord cet exercice de santé qui est l'enracinement. Là, on retrouve vraiment ce langage tellement naturel de l'arbre. Et que l'arbre pourra d'autant plus s'orienter vers la lumière, c'est une banalité et en même temps on l'a tellement oublié en nous, que si effectivement il prend conscience des racines qui l'habitent, s'il prend conscience de la structure qui fonde son être, prier avec le monde minéral, rentrer finalement dans le mystère du monde minéral, c'est rentrer dans le mystère de la prière de notre charpente osseuse. C'est goûter à ces mouvements de structure, à ces mouvements intérieurs à l'os, qui est vraiment ce mouvement de structuration, d'enracinement, être dans ses os, être dans sa structure à l'intérieur. Donc en relation bien sûr avec avec la terre, avec tout le monde minéral. Bien sûr, c'est aussi contacter en soi, on le sent bien plus profondément, tout ce qui est le domaine du monde minéral. De tous ces oligo-éléments aussi. Enfin, je crois qu'il y a tout un mystère qui peut s'ouvrir dans la connaissance du corps humain. Prier comme le monde minéral, avec un rythme particulier au monde minéral. Et avec un mouvement qui est donc un mouvement de descente, d'incarnation. Ceci pour nous permettre, dans une deuxième étape, et ça sera le deuxième maître de méditation que rencontrera Jean-Yves, après avoir rencontré et retrouvé en toi ce mystère de la descente, d'être là de tout son poids, tu peux maintenant vivre sans danger cet élan vers la lumière qui t'habite. Et là, apprendre à méditer comme un coquelicot. C'était le végétal qui était proposé. On aurait pu dire comme une rose, comme une marguerite, comme un arbre, je dirais peu importe la fleur. D'entendre que cette humanité que nous sommes, et là donc ce sont des exercices intérieurs, c'est à la fois une humanité, si vous voulez, qui est bien souvent, à travers la vie qu'elle mène, à travers donc ce qu'elle est aujourd'hui, est une humanité ratatinée sur elle-même. Nous sommes des ratatinés. Je m'excuse. On est tous une espèce de bouillie humaine, en fait, à l'intérieur, où en fait on ne sait plus où est l'esprit, où est la psyché, où est le corps. Les pères nous disent vraiment qu'il y a une forme de. Un peu comme un. Si vous voulez, comme un lampion. J'aime bien l'image du lampion, souvent, qui est complètement ratatiné. Et en fait, toute la fonction de la prière, c'est finalement de redresser et de reverticaliser l'église de chair que nous sommes. Et si ça ne peut plus danser en nous, si ça ne peut plus chanter en nous, c'est parce que ça manque d'espace, ça manque d'air, ça manque de liberté dans le mouvement. C'est pour ça qu'on est, sans arrêt replié en soi-même. On est en suspension en nous, on n'est plus à la terre, on n'est pas au ciel. Donc là, on flotte dans cette humanité. Donc c'est pour ça que toute la transmission et l'exercice du Père Séraphin dans la tradition sont des exercices de santé qui nous invitent finalement à entendre que cette liturgie, quelque part qu'on n'entend plus à l'intérieur, elle est à nouveau à se révéler en nous. Et elle va se révéler dans une dimension, dans un corps, dans une église, qui retrouve sa verticalité, sa dimension. À la fois sa profondeur dans la crypte intérieure, retrouver ses fondations dans l'enracinement, et en même temps, cette église de chair qui va donc
se verticaliser et orienter, je dirais, sa construction vers le soleil. Hein, donc là, il y a vraiment deux mouvements qui correspondent à ces deux maîtres de méditation, mouvements de descente et mouvements d'élévation, qui nous rappelait le père Séraphin. Donc ce signifie par une verticalisation, donc écouter les mouvements de la colonne vertébrale, écouter tous ces mouvements qui vont naturellement se replacer en nous. C'est aussi dans l'enseignement que peut nous donner une fleur, je ne sais pas si vous avez un petit peu regardé ou qu'on méditait, c'est la fleur qui est donc là avec une tige donc, qui est bien enracinée, qui est extrêmement souple aussi et disponible au mouvement du vent, de l'esprit. On peut être étonné qu'à chaque fois que la fleur va à droite, à gauche ou devant, derrière, balayée par le vent, paf, sans arrêt, elle revient au centre. Il y a une capacité pour la fleur, mais également en général pour le végétal, à toujours orienter, je dirais, dans une forme d'obligation, en fait, et d'offrir sans arrêt sa corolle et ses pétales au soleil, de se nourrir de la lumière, dans un phototropisme, pourraient dire les biologistes, dans ce phototropisme naturel. Et la question intéressante que soulève cette méditation, c'est que nous avons oublié, nous, en tant qu'êtres humains, que nous ne pourrons être vivants, heureux et nourris que si nous orientons notre corolle intérieure vers le soleil, qui est le soleil divin. Nous sommes habités naturellement d'un théotropisme, c'est-à-dire que nous ne pourrons être vivants, heureux, que si notre cœur s'oriente naturellement vers la source de tout ce qui vit et respire. On peut être étonné comment les plantes, les arbres, dans les sous-bois souvent, se frayent un chemin pour aller rejoindre et ouvrir leurs corolles et leurs branchages vers la lumière. Mais c'est ça qui nous rend malheureux. C'est que nous sommes totalement désorientés et que la fleur que nous sommes, on se dirige plus vers la lumière, on se dirige vers le fumier, c'est-à-dire vers le sol. Vers les mémoires, vers tout ce que nous portons, de tout ce que nous portons de terreau, et que nous ne pourrons être vivants, véritablement humains, avec un grand H, que si, effectivement, nous orientons notre humanité, notre cœur, vers la source. Le deuxième grand exercice de la prière, c'est une orientation intérieure. Et là, c'est encore une fois quelque chose à entendre de l'intérieur. Orienter nos cellules, orienter le cœur vers lui, vers le Seigneur des mondes, vers la source en nous, vers ce que nous pressentons être la source de la lumière, à l'orient de notre être, cette orientation dont nous rappelions tout à l'heure l'importance. Nous sommes malheureux parce que nous avons oublié. Nous ignorons ou nous avons oublié ou nous négligeons la seule source qui pourra nous combler, qui est la source d'eau vive en nous. Et ce que nous rappellent les anciens par rapport à cette notion d'orientation, donc d'une réorientation, l'un des grands thèmes que nous rappelleront les anciens, c'est cette capacité à se souvenir de Dieu. Quoi que nous fassions, de tout faire dans la présence même de Dieu. Quoi que nous fassions, si nous marchons, si nous parlons, si nous mangeons, si nous partageons, que Dieu soit toujours là au milieu. Le souvenir de Dieu, je dirais, toujours, toujours, toujours. Dieu est là, sans arrêt. Rentrez toujours avec cette conscience que là, au moment où nous sommes là, entendons que le Christ est là. Les anges sont là, toutes les présences invisibles sont là. Marie est là, tous les saints sont là. Et c'est comme si on vivait en perdant ce contact avec cela. On vit comme si on n'était plus en relation, comme si on avait perdu le lien avec ses présences. L'être, la source, l'être est là. Sans arrêt, cette présence est là. Faire toute chose en se souvenant de la présence. D'être toujours en relation avec la présence. On a perdu le lien. C'est ça qui fait qu'on est aujourd'hui errant, exilé. On ne vit pas la vie qu'on devrait mener. On a perdu la connaissance de ce que nous sommes. On n'est pas ce qu'on croit. On est tellement plus, on est tellement l'être que nous sommes est en attente, est en gestation. Mais ce n'est que dans cette orientation du cœur et de notre matière vers la lumière, dans cet élan naturel vers la lumière, que nous pourrons fructifier et
recevoir la vie en abondance. Là, il y a vraiment quelque chose qui est une forme de responsabilité en nous d'orienter le miroir vers la lumière. Quelqu'un comme par exemple Grégoire de Nice, qui est un des grands anciens du 4e siècle à Byzance, en Cappadoce, en Turquie actuelle, dira que l'homme est un miroir mobile. Et qu'aujourd'hui, force est de constater quand même que ce miroir, bien souvent, on l'a rappelé, est souvent orienté vers ce qui ne va pas. Souvent, on a quand même toujours cette fâcheuse tendance à voir toujours ce qui ne va pas. Et à ne voir que ce qui ne va pas. Et on oublie ce qui va. Parce que finalement, ça ne va pas si mal que ça, en fait. Mais si on vivait avec cette impression, finalement, que ça ne va pas si mal que ça, et qu'on est toujours en train de vivre notre vie comme si tout nous était dû, donc toujours en train de vivre en fonction de ce qu'on n'a pas, ou de ce qui ne va pas, mais qu'on oublie finalement tout ce qui nous est donné, et que finalement pas mal de choses nous sont données, ça changerait beaucoup de choses dans notre vie. On serait peut-être heureux pour rien. On pourrait goûter à cela. Et que bien souvent, on n'est pas content, non, on n'est pas heureux parce qu'on n'a pas ce qu'on voudrait avoir. Bon, ça paraît tellement bête ce que je raconte, mais c'est vrai que c'est tellement aussi présent dans nos vies quotidiennes. Cette fâcheuse tendance que nous avons tous psychologiquement, c'est ce mouvement naturel, comme si nous vivions finalement, comme si tout nous était dû. Je crois que là, c'est une des grandes étapes dans le chemin spirituel. Lorsqu'on passe dans la vie quotidienne d'un moment où effectivement tout nous est dû, et où finalement notre vie de plus en plus, on va la vivre comme si, vraiment de l'intérieur, comme si tout était un don. Le souffle est un don, la vie est un don. Comme si nous passions le don de filiation, le don de l'amour, le don de la vie. Il y a ce passage étonnant dans notre histoire là, où effectivement de moins en moins, on vit finalement la vie non plus comme si elle nous était due, mais comme si instant après instant c'était un don. Rien que ça, je crois que si on pouvait le vivre et l'incarner, bon sang, mais ça, dès le matin on serait, ça serait déjà une joie quoi. D'être joyeux pour rien, simplement parce que on vit ce don intérieur. Donc, il y a une notion là d'orienter le miroir du cœur, et là est notre responsabilité. Apprendre à orienter le miroir du cœur vers ce qui va. Et là, on rentre dans ce grand thème, dans la tradition de l'Église, qui est la philokalie. Le mot grec philokalia, qui est l'amour de la beauté. Tourner le miroir du cœur vers le beau, le bon et le vrai en soi. Il y a en nous une lumière qu'aucune ténèbre ne pourra saisir. Il y a en nous une vie qu'aucune mort ne pourra saisir. Il y a en nous une liberté qu'aucune contrainte, qu'aucun enfermement ne pourra saisir. Et que sans arrêt dans nos histoires, on tourne bien souvent et on insiste sur ce qui ne va pas, sur ce qui nous enferme, alors qu'il y a en nous déjà quelque chose, même si on ne le sent pas, il y a en nous quelque chose déjà qui est libre, qui est vivant. Qui est aimant, qui est plus grand que nous, que ce qu'on peut vraiment tellement projeter sur soi-même. Il y a tellement de beauté en chacun d'entre nous, et que cette audace de révéler, de mettre au monde cette beauté qui nous habite. Donc le mouvement, on le sent bien, le mouvement du Père Séraphin est à la fois de nous faire entrer dans les profondeurs du monde minéral et en même temps d'entendre que prier, c'est une orientation intérieure. Et encore une fois, prier, c'est pas forcément dire quelque chose. Prier, pregare, normalement c'est demander. Mais la prière, ça peut être aussi une orientation du cœur vers lui. Ça peut être que ça, prier. Sentez ce qui vient de l'intérieur, une orientation cellulaire. Que simplement dans un mouvement silencieux, ou au contraire dans la terre, enfin bon, c'est prégaré, c'est demander normalement, mais c'est demander, mais la demande, ça peut être aussi tellement un sentiment de gratitude, un sentiment de remerciement aussi. Orientation du cœur, orientation cellulaire, de la matière vers la lumière, pour des noces à venir. Là aussi, concrètement, c'est dans la vie quotidienne. C'est quand on marche, quand on épluche les tomates, ou quand on travaille avec nos enfants, peu importe.
sentir qu'il y a cette orientation naturelle vers lui, vers la source. Lorsqu'il y a cette église de chair qui commence à se verticaliser, s'orienter, s'ouvrir, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, naturellement, à ce moment-là, cette église de chair, elle peut s'ouvrir à un rythme. Et c'est la troisième maître de méditation que va faire rencontrer le père Séraphin à Jean-Yves. Bon, je l'appelle Jean-Yves parce qu'à l'époque, il était Jean-Yves. Il va donc l'amener près d'une crique et il va lui dire: maintenant que tu es entré dans le mystère du monde minéral, du monde végétal, que tu commences à pressentir cette prière intérieure, apprends maintenant à méditer comme l'océan. Apprends à méditer et à entendre et à entrer en relation avec la pulsation, avec le mystère du rythme dans l'univers. Dans cette église de chair qui maintenant s'est érigée et s'est ouverte, parce que mieux enracinée et mieux verticalisée, maintenant ton église intérieure peut devenir une maison du vent. Tu peux t'ouvrir au vent. C'est ce que nous rappelle saint Paul, être temple de l'esprit, comme nous le sommes invités à incarner, c'est être des maisons du vent. C'est donc d'ouvrir finalement nos portes et nos fenêtres intérieures, cellulaires, énergétiques, bon, peu importe après les mots qu'on pourra y mettre, et ouvrir ces fenêtres, et ouvrir après, et entrer dans le mystère d'une respiration. Et là, ce que nous dit le père Séraphin, apprends à faire la planche sur le rythme respiratoire du divin. Et que tu vas entendre finalement que quand tu dis « j'inspire » ou « j'expire », « je prends l'air » ou « j'expire, je rends l'air », en vérité, tu pourras aussi peut-être entrer dans un mystère qui fait que tu es inspiré et que tu es expiré. C'est-à-dire que tu vas peut-être pouvoir entrer dans le mystère où tu vas pouvoir te faire plage et accueillir le va-et-vient des vagues de l'océan qui te respire. Tu entreras peut-être, en tout cas c'est ce que dira le père Séraphin à Jean-Yves, tu entreras finalement dans le mystère qui me fait te dire que prier n'est pas penser à Dieu. Prier n'est pas avoir de grandes idées sur Dieu. Prier, c'est respirer avec Dieu. Là, on rentre vraiment dans un des grands mystères donc, de ce que peut être aussi la prière en esprit. C'est de goûter et d'entrer dans le mystère des éléments. Et le mystère que... Il y a un rythme qui nous habite. Et prier, c'est s'accorder au rythme qui nous habite. S'accorder au rythme inspiratoire, expiratoire, systole, diastole, contraction, expansion. D'entendre que l'être divin nous crée en venant et en se retirant. En venant et en se retirant. En venant et en se retirant. Dans une matière, donc maintenant qui s'est beaucoup plus étirée vers le haut, vers le bas, donc qui est enracinée à la terre et au ciel plus, là on peut entrer maintenant dans ce mystère de la respiration. Et l'une des raisons pour lesquelles nous sommes malheureux, nous sommes heureux mal, c'est-à-dire que nous sommes à côté de nous-mêmes, nous disent les anciens, c'est qu'on respire petit. Ça ne respire plus en nous. Même d'ailleurs le mot ressuscité, le mot de guérison, il y a la notion de respirer au large. Et qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint, Kadosh Ruach en hébreu, c'est le souffle saint. Seigneur, tu envoies ton souffle et je suis inspiré et tu recrées la face de la terre. Seigneur, tu retires ton souffle, je suis expiré et nous retournons à la poussière. Vous sentez vivre la vie où nous recevons le souffle, où même le souffle est un don. C'est vraiment être inspiré, être expiré. Et bien sûr, quand je parle de la respiration, ce n'est pas uniquement l'aspect respiratoire thoracique. C'est le diaphragme, c'est l'abdomen, c'est tout le bassin, c'est la respiration tissulaire. Les mouvements respiratoires primaires, tous ces mouvements crâniens, tous ces mouvements ostéo se retrouvent là. Comment se connecter? Beaucoup de nos pathologies sont justement des moments où le mouvement, ça circule plus, quoi, c'est bloqué, un peu de tous les côtés, dans les os du crâne. Parce que ça s'est figé. Mahala, en hébreu, être malade, on est arrêté. Le mouvement s'est arrêté.
on ne reçoit plus, ça ne danse plus la vie en soi. Hein, quelque chose qui s'est bloqué dans la lésion, au niveau de notre sang, de notre influx nerveux, de l'information, quelque chose qui s'est figé. Mahala. Et la vie, le mouvement, c'est faire respirer à nouveau. Il y a toute cette notion de la respiration et de faire à la fois communiquer. Je crois qu'un geste thérapeutique, finalement, peut-être ce geste qui nous invite, peut-être, à entrer à nouveau, à faire respirer à nouveau, et de faire entrer la matière dans la respiration vivante, dans une nouvelle respiration. Prier, c'est respirer dans la présence. Le Père Séraphin, il insistera beaucoup là-dessus. Il dira même que celui qui est attentif à son souffle, vigilant à son souffle, n'est pas loin de Dieu. Écoutez qui est là au bout de votre expiration. Écoutez qui se présente au fond de votre expiration. Écoutez qui est là au tout début de l'inspiration. Vous n'êtes pas loin de Dieu, de ce mystère, de cet abîme qu'il y a entre l'expire et l'inspire, cette espèce de mouvement. La prière avec le souffle, la prière avec les éléments. Dans une matière orientée, verticalisée, qui respire, on sent bien que là, ça se délie à l'intérieur, ça s'ouvre. Et là, le quatrième maître de méditation qui va se présenter, c'est d'entrer, après la prière du monde des éléments, c'est d'entrer dans la prière du monde animal. Et que prier, va nous dire le Père Séraphin, c'est murmurer à mi-voix. Et là donc, après le chant de la montagne, après la prière du monde végétal, le coquelicot, après la danse des éléments, le Père Séraphin va donc amener Jean-Yves près de Tourterelle, où il va donc l'inviter à s'asseoir et d'écouter la prière de l'oiseau. Il veut nous faire entrer, le Père Séraphin, dans ce mystère que dans cette église de chair que nous sommes, verticalisée, orientée, enracinée et ouverte au souffle, naturellement, ce qui va se réveiller maintenant, c'est le chant intérieur. Prier, c'est laisser monter le chant de l'être. Aujourd'hui, les physiciens nous rappellent que notre humanité, c'est notre matière, c'est la condensation d'un son. Comment arriver à laisser monter ce chant naturel, ce chant de l'être, ce chant de la vie en nous, qui fait qu'on chante pour rien sous la douche le matin. C'est cette espèce de chant intérieur, bon là c'est plus un chant sacré, on pourrait dire, mais naturellement nous sommes invités à chanter. Et je vous rappelle au passage que c'est la fonction de l'ange. L'un des critères dans notre vie, où nous sommes guéris dans notre histoire, c'est que nous pouvons à nouveau chanter. Chanter, louer, rendre grâce, c'est un des signes qu'effectivement la vie prend le dessus dans notre matière. D'ailleurs, c'est une des portes d'entrée, vous le savez, du mot thérapeutes en grec. Être thérapeute, c'est effectivement guérir, c'est prendre soin de l'être, prendre soin de l'être et accompagner. Guérir, c'est, on va inviter effectivement à rejoindre l'espace de santé pour que l'autre puisse guérir, que la vie puisse le guérir à l'intérieur. On ne guérit pas, on va accompagner la vie. Mais c'est aussi d'inviter l'autre à rendre un culte. Il y a une notion de louange, de rendre un culte. Et qu'effectivement, lorsque nous pouvons chanter à l'intérieur, c'est le signe qu'effectivement la matière se délie, elle se détend. Le chant de l'être. Le chant de l'être qui peut donc être un chant intérieur, le chant de l'oiseau, et qui va pouvoir se transformer dans un chant intérieur qui va être une invocation. Où là, effectivement, on va entendre que, dans ce chant de l'être, dans notre église intérieure, comme si une chorale intérieure commençait à se révéler, à se réveiller, où on va chanter le Seigneur, où on va chanter la source en nous de la vie. Ça peut être parfois des chants de louange, des chants « Ah, bénissez le Seigneur !» Ça peut être aussi parfois des chants plus tristes, des chants où on demande à l'aide. Des chants « Au secours, viens à mon aide !»
Ça peut être des chants de gratitude. Cette invocation intérieure qui va faire que, vous rappelez le père Séraphin qui à ce moment-là fait entrer Jean-Yves dans cette invocation. Kyrieleison, 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 qui est en grec, ou en slavon, Gospodi Pomilo, Gospodi Pomilo, qui est vraiment cette invocation-là, mais en même temps, cette espèce de chant qui jaillit du cœur, enfin, qui jaillit de la matière déliée, qui appelle son Seigneur, Seigneur, au secours, viens à mon aide. Bon, en français, on traduit par Seigneur, prends pitié. Bon. C'est un peu dommage, parce qu'on perd la musique, et puis prends pitié, c'est vrai que c'est, on l'avait rappelé, c'est un peu difficile. L'invocation finalement donc, que nous dit la tradition finalement, c'est que ce chant de l'être va de plus en plus devenir une invocation autour du nom, d'un des noms divins qui est le nom de Jésus. Dans la tradition donc là on va encore plus se rapprocher de la tradition du christianisme, où finalement le beau visage de la source, c'est le visage du Christ, c'est le visage de Jésus. Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, Jésus qui est finalement cet homme en qui la danse du vivant s'incarnait librement. On peut dire qu'en regardant Jésus, en regardant cette humanité évoluer, manger, marcher, prier, parler dans la vie quotidienne, on voyait finalement l'image du Père. On voyait exactement la présence de la source, la belle présence en plénitude de l'être divin qui fait tourner les mondes. On la voyait. Dans le regard, dans le visage du Christ, de Jésus. C'est, dans la tradition, Jésus, le Christ, c'est vraiment celui qui incarne en plénitude et sans aucune déformation, je dirais, la danse du vivant, la plénitude de cette force créatrice de Dieu. Là, en invoquant le nom de Jésus, en hébreu Yeshua, on est en train de dire Dieu, Dieu qui délivre, Dieu qui sauve, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, viens. Au secours, fais-moi respirer au large, donne-moi ta vie, transfuse-moi ta sérénité, enfante-moi. Enfin bon, ce sont toute une forme d'invocation. Ce chant de l'être va devenir cette prière intérieure qui monte, dans une forme d'invocation. C'est ce chant finalement que va devenir la prière de Jésus. Répétition du nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alors c'est vrai que pour beaucoup, Jésus c'est... C'est pas forcément toujours facile, la notion de la croix, la notion des mémoires religieuses qu'on a derrière, de l'Église. Donc peut-être qu'on essaiera d'aborder peut-être certains de ces thèmes. Mais Jésus, c'est l'homme libre. Jésus-Christ, c'est cette humanité accomplie, parfaite, dans le sens pas d'une perfection froide, mais de cette perfection aimante, accomplie, ouverte. Qui reflète, qui est l'incarnation de la source. C'est vraiment le bruit de l'eau vive, le Christ, le mot Christos, celui qui est oint d'eau vive, celui qui est oint de souffle, celui qui est oint du feu de l'Esprit-Saint. C'est vraiment cette dimension du Christ, c'est vraiment celui qui traverse les éléments, le feu, le vent, qui est porteur en plénitude de cette présence vivante. Et en l'invoquant, en l'appelant, c'est comme si on faisait de plus en plus venir cette vie en nous. Celui qui a traversé la mort, celui qui a vaincu la mort, on verra un petit peu tout cela. Invoquer le nom de Jésus, c'est ce nom qui nous sauve. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, c'est faire venir en nous cette présence qui vaincra toute forme de mort en nous. Si on y croit, si on s'ouvre à ce mystère. Seigneur, donc c'est vraiment de faire venir à travers cette forme humaine de Jésus-Christ cette puissance de résurrection, cette puissance de la vie qui va donc venir nous guérir à l'intérieur, dans notre sang, dans notre matière. C'est vraiment tout ce chemin de l'invocation, enracinement, orientation, respiration, parce que tout ça se fait dans la respiration, puis après donc l'invocation, le chant de l'être, le chant intérieur. Le père Séraphin continue son initiation, et je vous rappelle qu'on ne sait toujours pas prier comme un homme, comme un minéral, comme un végétal, comme les éléments, comme un animal. Maintenant, apprends à méditer comme Abraham. Donc ça s'est passé sur plusieurs mois, bien sûr, cette initiation. Et là, la prière va se faire plus intérieure. Qu'est-ce que c'est que prier comme Abraham ? Abraham, c'est cet homme dans la tradition biblique
qui va être rencontré par Dieu de manière personnelle. On est après, dans le livre de la Genèse, après la tour de Babel, hein, et Abraham, c'est celui qui justement entend l'appel intérieur. Cette parole « va vers toi », hein, en hébreu « lekleka ». En fait, c'est la parole que Abraham entend dans son cœur, la parole de Dieu « va vers toi ». Quitte la maison de ton père, quitte justement toutes ces programmations, toutes ces injonctions, toutes ces lignées, et va vers toi. Abraham, c'est le père des croyants, c'est celui qui est obéissant, celui qui va écouter la voix à l'orient de l'être, hein, qui donc écoute et se fait obéissant. Mais Abraham, hein, va à un moment donné aussi recevoir une injonction étonnante. Il a à l'époque pratiquement 100 ans. Dieu va lui promettre une descendance, hein, un enfant. Et là, Abraham, hein, il y a ce beau passage, vous savez, où Dieu va donc faire sortir Abraham, qui est sous la tente, une nuit, et il lui dit « Regarde, dénombre les étoiles, regarde les arbres, regarde les troupeaux, dénombre les étoiles dans le ciel. » Et il dit « Ta descendance sera plus importante que toutes ces étoiles. » Et Abraham crut en Yod et Vav et, hein, à Dieu. Hein, c'est comme si Abraham rentre en relation avec la présence. C'est comme si Abraham, même s'il écoutait l'injonction qu'il habitait, avec un Dieu à la fois extérieur, mais aussi ce Dieu intérieur qu'il habite, c'est comme si, d'un seul coup, Abraham est en train de discerner derrière les étoiles, derrière ses troupeaux, derrière la nuit, derrière les arbres, derrière... Il est en train de découvrir, il est en train de sentir quelqu'un. Il est en train de voir la présence derrière le monde manifesté. Au-delà du monde manifesté, au-delà de... Il est en train de voir qu'il y a quelqu'un qui tient tout ça en main. On pourrait dire. D'un seul coup, Dieu c'est quelqu'un. Et paradoxalement, Abraham devient aussi d'un seul coup quelqu'un. Dans une relation d'intimité, de cœur à cœur, avec l'être qui nous fait être. Qui n'est plus uniquement une énergie, qui n'est plus uniquement une puissance de lumière ou d'amour, ou un grand créateur ou un grand architecte. Ça devient quelqu'un, une présence. C'est ce moment dans nos vies où on a le pressentiment d'une présence, que Dieu c'est quelqu'un. C'est plus un concept, c'est plus une idée, c'est plus une idéologie, enfin je ne sais pas comment on peut dire, une espèce d'aspect mental. C'est quelqu'un à qui je peux parler dans un tutoiement, hein, Seigneur, hein, de toi à moi, de moi à toi. Comme s'il y avait un échange de cœur à cœur. C'est ce moment précis quelque part où finalement toute notre prière prend un centre, trouve son centre dans la relation vivante. Et la cinquième étape, donc le cinquième être de méditation, hein, dans lequel entre le Père Séraphin, la prier, c'est entrer en relation d'intimité, dans un cœur à cœur, avec la source. C'est ce moment où on passe de la tête au cœur, et où Dieu n'est plus uniquement, hein, encore une fois, quelque chose de mental, mais ça devient quelqu'un. Dans ce tutoiement, dans cette intimité de relation, l'importance du cœur. Après l'invitation à un enracinement, après l'invitation à vivre cet élan vers la lumière, l'invitation à respirer dans, je dirais, dans le va-et-vient du rythme des mondes, hein, dans la pulsation des mondes, en ayant laissé se révéler ce champ de l'être intérieur, le Père Séraphin nous invite à un éveil du cœur, à une ouverture du cœur. Là où effectivement on va être de plus en plus invité à entendre le battement du cœur de l'univers. La prière se fait plus personnelle, c'est comme si finalement, au fur et à mesure, on va entendre la pulsation du cœur de l'univers. Et où finalement, on va de plus en plus voir l'autre dans sa relation avec Dieu, et on va de plus en plus voir l'être qui nous fait être, dans toute chose. On est de moins en moins séparés de l'être. C'est comme si finalement on découvre et on vit une fraternité. Vous savez, c'est cette grande expérience que fait Saint François par exemple, ou Saint Séraphin de Sarov, hein. Frère loup, hein, sœur lune, frère soleil. Ces moments où on rencontre la matière du monde dans ce cœur à cœur. C'est la prière dans le cœur.
La prière où on palpite, où notre cœur palpite et bat avec le cœur de la création. Et où là, dans ce cœur à cœur, on sent bien que l'autre va être de plus en plus avec nous, de moins en moins séparé. Là, il y a vraiment le cœur de compassion qui s'ouvre. Et où Abraham, vous le savez, va être de plus en plus capable d'intercession. Où finalement, lorsque dans nos invocations, on dit « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi », ou en tout cas à travers ces invocations, ce chant de l'être qui sont de moins en moins personnels et de plus en plus cosmiques, on pourrait dire. Ça fait intervenir tous les êtres. On intercède pour tous. C'est tout le chemin d'un cœur ouvert, de plus en plus. Qui va s'ouvrir, pour de plus en plus englober tous les êtres. Pleurer pour la création entière. Il y a des paroles étonnantes de Saint Isaac ou Saint Séraphin qui pleurent pour la création entière. Dans ce mouvement de miséricorde, qu'une compassion pour la matière, pour tous les règnes. C'est une espèce d'ouverture du cœur qui nous fait vraiment être dans une forme de compassion avec l'univers. Cet état d'esprit intérieur qui nous invite à de plus en plus à être en relation vivante, fraternelle avec l'univers, avec les autres. Mais c'est aussi parce qu'encore une fois, on a commencé par entendre la prière du monde minéral. Puis après, le monde végétal a commencé à s'éveiller en nous, dans l'orientation. Puis on s'est laissé être respiré. Puis après, on a commencé à chanter, à invoquer. Et c'est au fur et à mesure que le cœur s'est ouvert. C'est au fur et à mesure qu'on peut entendre maintenant le fait que Dieu... C'est cette présence qu'on peut retrouver dans toute chose manifestée. Le cœur devient ouvert. Dieu en l'homme, l'homme en Dieu. On sent bien qu'on est de moins en moins mu, que le maître du cœur est de moins en moins, je dirais, le diviseur, celui qui nous diabolise, celui qui nous enchaîne, qui nous rend esclaves. Mais le maître du cœur devient le seigneur des mondes, le Christ intérieur. C'est plus le monde en nous, c'est le royaume, c'est l'avènement du royaume en nous. C'est toute cette dimension, je dirais, de l'ouverture du cœur. Le père Séraphin ira plus loin. Et lorsque Jean-Yves lui dit, mais comment Jésus priait? Quelle était la prière de Jésus? Et là, père Séraphin disait, mais seul l'Esprit Saint pourra t'apprendre comment Jésus priait. Jésus, c'est celui en qui tout se synthétise. Il sait prier comme un minéral, comme un végétal, comme il est en contact avec les éléments, avec l'eau vive, avec le feu de l'esprit, avec le vent. Il prie comme un animal, il prie le cœur ouvert, capable, sur la croix on le verra, ce grand livre de l'art d'aimer, l'homme ouvert de la croix. Et Jésus, lui, dans sa prière, c'est qu'il est capable, il laisse l'Esprit Saint ouvert à l'esprit, qui appelle la source Abba. C'est la dernière étape qui est la filiation. Qu'on puisse un jour, que du fond de notre cœur un jour, puisse monter cette prière qu'on peut adresser à Dieu, Abba. Abba ou Abinou. Abinou ou Abouna, c'est, voilà, on pourrait dire presque papa. Vous sentez cette intimité de relation qu'il peut y avoir à un moment donné lorsque les êtres humains que nous sommes, nous pouvons entrer en relation très profonde dans le cœur à cœur et nommer la source transcendante, papa, ou père, mais dans cette relation d'intimité. Et finalement, toute la mission de Jésus, c'est de nous faire entrer, chacun et chacune d'entre nous, dans le cœur même de la danse trinitaire, de cette icône de la Sainte Trinité, la présence même de l'être divin, c'est de nous faire entrer en relation d'intimité, dans l'intimité même de la vie divine. Que nous puissions un jour, de l'intérieur, que ce soit plus mental, vivre cette expérience. Et c'est maintenant, on porte déjà tous cela, même si on croit qu'on ne le sait pas, même si on a l'impression qu'on ne le sent pas, mais déjà, on est là, invité à cette danse, là où on va être nommé fille et fils de la vie. Là, on va pouvoir entendre dans le fond de notre cœur cette parole qui pourra venir nous délivrer de toutes ces mauvais dires ou de quand on n'a pas été béni par nos propres parents, par exemple. Et lorsqu'on entend cette parole, c'est l'intérieur de la vie qui dit
Tu es ma fille, tu es mon fils bien-aimé. En toi est tout mon amour. Lorsqu'on entend en nous cette parole de la source, c'est une parole cellulaire, on pourrait dire, à l'intérieur, qui nous fait être filles et fils de la vie, qui pose un bondir sur nous, une bénédiction. Va vers toi, fructifie, accomplis-toi. Tu es invité à être vivant. Là, effectivement, dans cette prière-là, tout respire en nous. On est capable de toutes les folies, parce que béni, encore une fois, dans l'exigence de l'amour, mais on est capable de toutes ces folies de l'amour, c'est-à-dire d'être capable de pardonner même à ceux qui à nos ennemis. Bon, mais ça, on ne peut pas le faire psychologiquement. Ça peut être que dans l'Esprit Saint qu'on peut le faire. C'est toute cette prière du cœur et de la filiation, où on se sent vraiment engendré du dedans, fils et fille de la vie, fils et fille de la lumière, fille et fils de Dieu. Et que bien souvent encore aujourd'hui, on est fille et fils d'une lignée qui ne nous a pas forcément bénis, fille et fils du péché, fille et fils de la peur, fille et fils de la culpabilité. Mais on est tellement plus que ça. Fille et fils de la grâce, du don de la vie, de l'amour. Bon, mais comment maintenant l'incarner à l'intérieur? Comment le ressentir à l'intérieur? Et donc là, eh bien, on aboutira dans cette filiation, puisque c'est l'Esprit Saint en nous qui viendra prier. Comment après, eh bien, littéralement, devenir des êtres transfigurés? Devenir ni plus ni moins d'autres dieux, avec des petits dés, c'est-à-dire des dieux par participation. C'est la dernière étape, transfiguration, je dirais déification. C'est l'aboutissement du chemin. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Dieu s'est fait homme, la lumière s'est fait matière pour que la matière devienne lumière, pour que la matière soit sanctifiée. C'est toute la rencontre entre la révélation de la matière-lumière. C'est vraiment toute cette échelle dont nous sommes invités à gravir, motivation jusqu'à déification. Nous sommes réellement dans ce chemin d'accomplissement de cette échelle. Est-ce que vraiment on veut goûter à cette shalom, à cet état d'unité, à l'avènement de cette lumière, ces noces entre la matière et la lumière? Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que nous puissions sanctifier ton nom, que ton nom en nous devienne sanctifié, que ton règne vienne, que ton esprit vienne, que ton souffle vienne en nous. Le royaume de l'esprit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ce soit plus ma volonté, la volonté de l'ego, mais ta volonté s'accomplisse dans ma terre. Que ce soit la même volonté qu'il y ait, que mon agir humain soit accordé en harmonie avec le vouloir divin. Que ce soit plus moi, mais toi. Dans cette obéissance, que ma volonté, ce soit ta volonté en moi. Donne-moi le pain substantiel. Donne-moi cette nourriture substantielle qui me permettra à la fois de sustenter mon corps physique, mon corps émotionnel, mon corps intellectuel, mon corps mental, mon corps, mais aussi qui sustentera en moi la vie éternelle. Donne-moi une nourriture qui puisse nourrir en moi la vie éternelle. Et on nourrit nos corps physiques, nos corps psychiques, nos corps émotionnels. Mais qu'est-ce qu'on donne comme nourriture à en nous la vie éternelle? Cette dimension d'éternité, cette nourriture intérieure, qui est le silence, qui est l'Eucharistie, qui est la parole créatrice, ne nous soumet pas à l'épreuve. C'est-à-dire, plus justement, c'est ne nous permet pas d'être terrassés dans l'épreuve. Puisque l'épreuve, c'est grâce à elle qu'on va pouvoir grandir et se fortifier. Mais ne nous permet pas d'être terrassés dans l'épreuve. Et délivre-nous du pervers. C'est pas du mal, c'est pas uniquement du mal ou du malin, c'est du pervers. Toutes ces forces obliques en nous, ces énergies perverses qui contrarient le projet divin. Donc, motivation, décision, affiliation, incarnation, orientation, respiration, puis invocation, ce champ de l'être qui nous fait ouvrir le cœur toujours plus, qui nous fait être de plus en plus filles et fils, et puis qui nous permettent de
d'entrer dans ce chemin de la transfiguration. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Петру и Якову и Иоанну, будь учеником Твоим Господом. Esprit Saint, dans la tradition de l'Église, la tradition biblique, va se révéler à nous à travers des images symboliques, des éléments. L'Esprit Saint va se révéler à travers la dimension de l'eau, du souffle, du feu, hein, de la colombe, bon, si on verra tout à l'heure. Et je dirais aujourd'hui, je crois que l'Esprit Saint peut venir nous contacter aussi plus personnellement, je dirais là d'un point de vue plus collectif, mais aussi personnel, à travers une forme d'écologie. C'est en ce sens-là que je voulais vous en parler un petit peu, dans le sens où je crois qu'aujourd'hui, tous ces grands mouvements climatiques auxquels nous assistons, à travers des dérèglements au niveau du feu, hein, au niveau de l'eau, au niveau parfois de tout un processus qu'on retrouve dans ces mouvements climatiques aujourd'hui, ne sont sans doute pas étrangers aussi, hein, à quelque chose dans notre humanité qui se passe. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est clair que on pourrait dire que c'est comme si en nous, les éléments étaient devenus malades. Comme si finalement, l'humain, en perdant la relation avec la source, je dirais, avait perdu le contact, ou comme si les éléments en nous étaient devenus malades. Enfin, malades dans le sens où ils n'étaient plus habités ou inspirés, justement. Bien souvent, dans notre humanité, une manière possible de regarder aussi, là, je dirais, ce qui ne va pas, ou c'est souvent la constatation qu'effectivement, les éléments ne vivent plus en nous. Prenons par exemple le souffle. Voir à quel point, finalement, on l'a rappelé hier, dans une humanité complètement rapetissée et je dirais, écrasée, hein, on n'arrive plus à respirer à l'intérieur, comme si notre souffle, hein, devenait un souffle oblique. Hein, on est rempli de souffles obliques, des souffles pervers. Hein, on respire plus en nous, hein, comme si on est asthmatique, hein, dans beaucoup de nos pathologies à la fois pulmonaires. On ne sait plus respirer. Hein, l'air est devenu vicié. Il y a quelque chose en nous, si vous voulez, qui n'est plus oxygéné. Toutes ces toxines qui nous empoisonnent, je dirais, hein, qui nous cyanosent, hein, bon, pour reprendre des termes plus médicaux. Comme si on ne savait plus respirer, comme si on ne savait plus s'ouvrir à ce mouvement et entrer en contact avec la pulsation de la respiration divine, hein, ce lien. Donc la respiration, hein, on sent bien que aujourd'hui, on ne sait plus respirer au large. Hein, quelque chose qui est étriqué. Au niveau de l'eau aussi, on sent bien que les eaux, hein, en nous sont devenues marécageuses. L'eau de nos émotions, notre sang, il y a quelque chose en nous qui ne pulse plus, qui s'est arrêté. Et que bien souvent, hein, vous savez, dans les marécages, ce qui pullule après, ce sont c'est souvent des moustiques. Enfin, c'est souvent des, ça fermente. Ces eaux marécageuses, c'est aussi tous ces espaces en nous de colère, de non pardon. Ces foyers infectieux qui suppurent, hein, ces abcès de l'âme, hein, qui ne sont plus mis en mouvement, qui font finalement qu'au bout du compte, il y a une création de systèmes de toxines qui paralysent le système immunitaire. Hein, beaucoup de nos maladies chroniques aujourd'hui, quelque part, sont... Bon, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette cause-là, mais on peut peut-être y lire là quelque chose, hein, comme si
À travers ces stagnations d'informations dans le sang, dans nos os, dans notre liquide lymphatique. Hein, c'est pour ça qu'on parle de drainage aujourd'hui, hein, de drainage lymphatique, comme si on sentait bien qu'il y avait à remettre en mouvement cette eau intérieure, ces émotions, cette dimension émotionnelle souvent dans laquelle on peut être englué. Je dirais cet inconscient justement, hein, souvent qui peut être à la fois marécageux, même souvent qui nous emporte dans des déluges, dans des tornades intérieures. Où on n'habite pas l'eau de l'intérieur. Ce n'est pas une eau vive. Hein, c'est quelque chose qui soit nous fait stagner, soit au contraire nous submerge. Hein, mais il y a quelque chose d'oblique hein, dans l'eau. Le feu. Aujourd'hui, on sent bien aussi dans nos humanités que nous sommes pétris de feu oblique, hein, de feu pervers, ce feu des passions, cette montée du feu qui souvent hein, nous provoque des sensations d'hypertension. Hein. On sent bien que, je dirais, en nous, les équilibres hein, entre l'eau, le feu, l'air et puis la terre aussi hein, font vraiment défaut. Et que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, c'est vrai qu'on est souvent un peu en suspension, parce que justement on n'est pas assez dans nos reins, hein, en particulier en médecine chinoise, qui est extraordinaire là justement, où il y a cette approche de tous ces déséquilibres hein, entre l'air, le feu, l'eau et la terre. Je crois qu'il y a une responsabilité pour nous aujourd'hui, lorsqu'on parle d'écologie et de mesures extérieures, est-ce qu'il n'y a pas là, encore une fois, une forme de responsabilité et de guérison des éléments en nous? Est-ce qu'il n'y a pas là, je dirais, aujourd'hui, une forme de responsabilité et d'engagement, hein, d'engagement politique, on pourrait dire, une forme d'écologie, je dirais, les verts, hein, pour être un peu plus verts à l'intérieur. Est-ce qu'il n'y aurait pas là une possibilité d'ouvrir finalement notre matière carbonée, hein, là où les éléments sont malades en nous, à l'Esprit Saint? Parce que l'Esprit Saint, justement, hein, on va le retrouver à travers certains textes, c'est justement lui qui peut venir guérir les éléments en nous. C'est lui qui peut guérir les éléments, et je dirais, à terme, pourquoi pas imaginer que l'Esprit-Saint en nous puisse venir générer une eau nouvelle, un souffle nouveau. Hein? Est-ce que c'est pas ça, finalement, je dirais, l'avènement de sources nouvelles, ou l'avènement d'un air nouveau, d'une humanité nouvelle? Est-ce que c'est pas au cœur de l'humain, finalement, que ces éléments vont être sauvés? Est-ce qu'il n'y a pas là, hein, c'est un questionnement, une forme de rédemption, je dirais, de la matière à travers une responsabilité intérieure. Comme si l'être humain devenait cet espace, ce berceau, où parce qu'il s'ouvre à l'Esprit Saint, il devient cet espace de rédemption et de guérison des éléments. Comme si à travers, je dirais, cette rencontre avec les éléments, il y avait une fonction de tempérance qui était proposée. Comme si justement, en ouvrant notre humanité et notre cœur à l'Esprit Saint dans sa dimension de souffle, d'air et de feu qui vient rencontrer notre propre terre, est-ce qu'il n'y a pas là, dans l'avenir, une possibilité, je dirais, de guérir, de tempérer les contractions que nous vivons dans la matière du monde? C'est un sujet de méditation, de responsabilité par rapport à cela. Et je crois que là, hein, l'Esprit Saint peut venir nous rechercher aussi dans ce travail de rédemption, ce travail de guérison, hein, dans l'équilibre des éléments et même dans la nature même des éléments. L'Esprit Saint, on pourrait dire, c'est un petit peu comme cette matière qui se divise en trois branches, hein, comme des branches d'ADN, je dirais, comme des branches hein, qui se déclinent à la fois en eau, feu, air et vent, hein, et qui fait que c'est dans cette alchimie des éléments hein, qu'il y a quelque chose qu'on peut retrouver et qui vient guérir notre humanité hein, et notre matière, la matière de l'univers. De ces liturgies cosmiques, parce que finalement, le sens des liturgies qu'on fait dans nos églises, dans ces bâtiments de pierre, en vérité, le sens de tout ça, c'est de nous rappeler que la création devrait célébrer cette liturgie cosmique, hein, où participent tous les éléments. Hein, comme si tous les éléments, l'Esprit Saint, transfigurait, transformait et rendait sacrés toutes les productions de la terre, hein, le pain et le vin, hein, qui deviennent sacrés dans la présence de l'Esprit Saint. Et peut-être que pour certains, là, ça peut peut-être plus parler à travers les éléments, hein, dans ce langage de la nature. Peut-être revenir au mot Esprit Saint. Hein, vous rappelez le mot esprit en hébreu, Esprit Saint? Le mot esprit, c'est ruach en hébreu. Roar.
Esprit Saint, c'est Kadosh Ruach. Je crois que celui qui définit le mieux ce que peut-être Kadosh Ruach, c'est Saint Jean. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Kadosh Ruach. Ruach, c'est le vent. Ruach, c'est le souffle. Ruach, c'est l'haleine. Bon, ça peut être aussi le vide, hein, ce vide, mais inspirant, ce vide soufflant, je dirais. Et c'est aussi, dans la dimension du souffle, quelque chose qui prend soin, hein, qui pourrait couver aussi. Il y a une notion de la tradition biblique également d'une forme de maternité. Hein. D'ailleurs, je vous rappelle que l'Esprit Saint, c'est le seul mot féminin. Dans la Sainte Trinité, hein, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, c'est féminin. C'est la dimension féminine, on pourrait dire. C'est le souffle, hein, c'est l'haleine, c'est le vent de Dieu. Et il est kadosh, il est saint, parce qu'on ne sait pas d'où il vient, et on ne sait pas où il va. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est insaisissable, il y a quelque chose en lui qui sort de nos catégories psychiques, qui, vous le savez, elles, sont enfermées dans l'espace-temps. Il y a une cause et il y a un effet. Il y a de l'avant, hein, on sait d'où on vient, on sait où on va, en gros, hein, psychiquement. Quelque chose qui fait qu'il y a vraiment quelque chose dans l'espace-temps. Hein. Là, avec l'Esprit-Saint, il y a quelque chose qui est incomparable, qu'on ne peut comparer à rien, hein, qui vient d'ailleurs, qui est de l'inconnu, qu'on ne peut pas saisir. Hein, l'inconnu aimant, hein, qui vient nous rejoindre. Il y a une dimension d'éternité, hein, quelque chose qui est hors de l'espace-temps. Et Jésus, le Christ, quand on dit qu'il est Christ, c'est que justement, il est plein de cette présence-là. Hein? Lorsqu'on dit qu'il est Christ, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il est plein d'eau vive. On dit qu'il est loin d'eau vive. Qu'il est loin de souffle. Qu'il est loin de feu. Hein? Il est loin d'Esprit Saint. Il est loin de, hein, il est empli d'une présence, hein, qui, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Quelque chose qui est, hein, d'un point de vue spirituel, il y a quelque chose qui est insaisissable, hein, quelque chose de inconnaissable, qu'on ne peut comparer à rien, qui est tout autre. Hein. Donc le vent, c'est un des premiers critères, hein, qui nous ramène à l'esprit. Et ce qui nous pose la question, d'ailleurs aussi intéressante par rapport au souffle, hein, et au vent, c'est que quand on dit aujourd'hui que quelqu'un est spirituel, qu'est-ce qu'on veut dire? Si on prend la tradition occidentale, quand on dit être spirituel, c'est être un peu désincarné, être un peu en dehors de la réalité, hein, pour certaines personnes. Hein, c'est être un peu dans une forme de qualité un peu éthérée. Or, la Bible, l'hébreu nous dit qu'être spirituel, c'est être inspiré, c'est être respiré. C'est reprendre son souffle dans le grand souffle de Dieu. C'est ouvrir sa matière à du souffle. C'est au contraire une incarnation. Il y a une expérience très différente derrière tout cela. Toute la richesse de ces grandes traductions, hein, de l'hébreu ruach qui donnera le pneuma en grec. En pneumati, hein, pneuma, pneumatique. Lorsque saint Paul nous parle du passage de l'homme psychique à l'homme spirituel, hein, il parle du passage de l'homme psychique, qui respire mal, à l'homme qui respire dans l'esprit, qui est pneumatisé, qui respire dans le souffle. Comme si on était invité, et c'est là où dans la tradition hésychaste, l'importance de la respiration. C'est comme si nous étions invités à retrouver ensemble, à apprendre à respirer dans le souffle de Dieu. Comme si ce n'est pas nous qui respirons, mais c'est comme nos respirations, je dirais, sont contenues, sont soutenues dans une respiration plus profonde qu'il habite. Il y a un grand souffle qui contient nos petits souffles. Et que nous, souvent, on est en contact avec nos petits souffles. Et d'entendre que nos petits souffles s'appuyaient ou étaient contenus dans un grand souffle, qui est ce rythme de l'univers. C'est pour ça que Père Séraphin parlait tellement de celui qui prend conscience du souffle qui l'anime, qui rentre dans le mystère du souffle, n'est pas loin de Dieu.
essayons d'intérioriser un petit peu cela. Славу Божественного Твоего срака, видя кубаризы Твои, облиставшие яко свет, и лице Твое паче солнца, нетерпящее зрите нестерпимое Твоего сияния, на земле не спадало, никак уже зрите могуще, глаше слышь, как усвидеть я свою слышу, сие, Сын мой возлюбленный, пришеди в мир спаси человека. Горе сионские ребра Сыне, Сыне Божий, преобразимся на горе и поющий о Тебе. En relation avec le souffle, il y a aussi derrière le mystère du sang. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est-à-dire que plus on va ouvrir le souffle, lorsque le Père expire et envoie son souffle en nous et que nous sommes inspirés, il envoie la présence, son nom, le nom de Jésus, dans cette respiration de la prière du cœur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, lorsque dans l'expiration on s'ouvre, on s'offre, on se détend et on se fait capacité de Dieu de plus en plus. Le souffle vient nous habiter et ce souffle est plein de la présence du Christ. C'est comme si on était en train d'inspirer un air enrichi avec la présence du Christ. On est en train d'inspirer, de recevoir la présence du Christ, de Jésus. Cette présence, c'est comme si on était en train, je dirais, de, puisque le nom est une vibration, que la matière est vibration. Finalement, on est en train d'entendre que prononcer le nom de Jésus dans ce souffle, avec ses connaissances maintenant de la physique, on est en train de faire descendre la présence même, la vibration même de Jésus au cœur de notre souffle, qui donc traverse et vient rejoindre nos poumons et traverse après les alvéoles pulmonaires et vient dans le cœur, dans le sang, dans toutes ces circulations entre le cœur et l'ensemble cœur-poumon. C'est comme si finalement, de plus en plus, la présence même du Christ, comme on l'avait rappelé avec l'icône du baptême, le nom du Christ va venir imprégner tout notre sang. C'est lui qui va nous inviter, en se fixant dans cette fonction du globule rouge, il y aurait toute une histoire aussi, on pourrait peut-être le faire un jour, le rôle du sang justement, dans toute cette fonction spirituelle du sang, à la fois dans la fonction plaquettaire, globule blanc, la fonction d'identité et la fonction pneumatologique du globule rouge. Il y a toute une approche là très intéressante aussi, où là, je dirais, avec le globule rouge, dans le mystère de la globine, de l'hème, enfin de tous ces échanges, on peut là imaginer que se passe le mystère, je dirais, de l'homme, de l'être humain qui se divinise dans son sang, grâce au souffle. Il y a toute une fonction, je crois, après biologique, mais cette biologie divine, quelque part, qui nous rejoint là, avec cette transformation de la matière, de notre matière, par le sang, à travers le souffle. Je vous rappelle que dans la tradition hébraïque, l'une des portes d'entrée du mot Adam, que nous sommes tous, que nous soyons hommes ou femmes, Adam, on l'a rappelé souvent, Alif Dalet Mem, les trois lettres hébraïques, Alif Dalet Mem dans le sens inverse. Alif, c'est Dieu, Alif, c'est toujours le principe, la lettre numéro un en fait, c'est vraiment le principe, avant le bête. Le bête nous fait entrer dans la dualité. Alif, c'est avant, avant le, c'est vraiment le, dans, quand on est vraiment dans l'unité, on pourrait dire Alif, c'est Alif dans le dam, dans le sang. Adam, l'une des portes d'entrée, c'est Dieu dans le sang. Révélation, comme si c'est déification, passée par le sang.
Je crois que là, il y a quelque chose qui est un mystère. Donc, je crois que c'est à poser, c'est à creuser. Bon, l'eau vive. L'eau vive, hein, ce sont des textes qu'on retrouvera dans l'évangile de Jean aussi, hein, dans ce beau passage de l'évangile de la Samaritaine. Vous vous rappelez? Lorsque Jésus justement vient rejoindre, hein, vous vous rappelez ce beau passage qu'on avait redécliné, l'année dernière, hein, qui est représenté sur cette icône là-bas, hein, ce passage de Jésus, hein, qui est assis, fatigué, et qui rejoint aussi cette femme au puits, près du puits, là, au cœur du quotidien. Hein, on avait rappelé à quel point là Jésus venait rejoindre cette femme au cœur de son quotidien, au cœur de sa fatigue, là où elle vient puiser de l'eau. Et comme si, bon, c'est vrai que le puits aussi, c'est dans la tradition biblique, ces lieux des rencontres amoureuses. Ce sont ces lieux de l'éveil du désir. On pourrait dire, en reprenant un terme grec, de l'éros. Profondément, ce terme du désir, ce thème de l'éros, c'est ce thème du désir, hein, du désir de l'homme pour Dieu. Ou du désir en l'homme de Dieu pour Dieu. Je sais pas comment dire. Okay. Comme si quelque part, Jésus vient nous rejoindre et nous invite à retrouver cette source d'eau vive en nous. Et là où cette femme samaritaine, vous le savez, vient puiser au fond de ces eaux croupissantes, de ces eaux stagnantes, Jésus l'invite à aller plus loin que ces eaux stagnantes. Comme si Jésus nous invitait, et il le refera aussi après avec la foule, lorsqu'il multipliera le pain. C'est comme si Jésus nous questionne sur notre désir. On est fait pour désirer plus fort que ce qu'on désire actuellement. Hein, qui est notre désir de boisson, bon, notre désir d'humanité qui est celui qui est là. Mais Jésus nous désire et nous invite et nous questionne sur un désir plus profond, qui est ce désir de vie éternelle. Ce bouillonnement, ce geyser qui nous habite à l'intérieur. Cette source, justement cette source d'eau vive, hein, à laquelle on peut regoûter. Si ces méditations près des cascades nous font tant de bien, c'est parce que on reconnecte. Plus ou moins consciemment ou inconsciemment, je dirais ce goût de la source, de cette puissance du geyser qui nous habite. Jésus veut nous reconnecter à cela. Et vous vous rappelez, là où cette femme sans arrêt le ramène dans les eaux stagnantes de l'histoire, dans les eaux stagnantes de ces désirs qui sont des bons désirs, enfin ces désirs humains, Jésus va toujours plus profond, va plus loin, comme s'il nous creusait en même temps. Il veut susciter en nous le désir. Dieu, encore une fois, ne nous comble pas. Il nous rend plus assoiffés, je dirais. Enfin, je ne sais pas comment dire. Il nous comble, en même temps, il nous creuse. Il nous comble, en même temps, il nous rend encore plus assoiffés de lui. Aimer quelqu'un, c'est peut-être justement dans la notion d'amour, il y a une notion également de pas forcément combler tout. Il y a une notion de, en particulier par rapport aux enfants, souvent. Ça peut être intéressant, souvent, de ne pas gaver un enfant d'enseignement. Mais au contraire, de susciter en lui les questions. La question est vraiment un grand thème de la Bible. Dieu nous questionne. Dieu nous pose sans arrêt des questions. Pour nous remettre en marche et pour nous creuser. Et que là, c'est vrai que dans ces puits, justement, Jésus vient sans arrêt nous questionner. Vous vous rappelez cette parole? Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où as-tu donc l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, vous vous rappelez, quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau. Mais qui boira de l'eau que je donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. Comme si Jésus vient nous rejoindre et nous faire creuser pour que nous puissions, comment je dirais, émonder et retirer tous les gravats, hein, qui ont souvent, qui font finalement qu'on est dans des eaux stagnantes, pour rejoindre, il nous convoque, il nous donne rendez-vous dans les profondeurs de notre être, hein, là où sourd, où jaillit l'eau vive.
Cette eau, hein, cette eau vraiment de l'intérieur, et vous savez que cette eau, hein, cette eau vive, si on en croit la mémoire de l'eau, l'eau déjà a été réinformée. Elle porte les mémoires, hein, du baptême, de cette eau transfigurée déjà. C'est pas l'eau qui manque, c'est pas l'eau vive qui manque. Ce qui manque, c'est qu'on en prenne conscience. Ce qui manque, c'est la révélation. Hein, comme si tout était déjà là, dans un négatif, c'est comme s'il fallait qu'il y ait un révélateur. Hein, pour que ça puisse se révéler maintenant. Et le révélateur, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui va venir nous aider à révéler ce qui est déjà là, en fait. L'Esprit Saint nous aide à révéler ce qui est déjà là, mais qu'on ne connaît pas encore, hein, qu'on ignore, qu'on ne sait pas, puis qu'on a mis en place des mécanismes pour ne pas le savoir. Enfin, l'Esprit Saint, c'est le révélateur de la photographie. Tout est déjà là, on pourrait dire, d'un point de vue collectif. Je dirais, tout est déjà transfiguré et sauvé, mais c'est comme si dans ce négatif, la photo était là. Et que c'est comme si pour que ça se révèle, la photo maintenant du monde transfiguré est là, on pourrait dire, mais c'est comme un négatif, on ne le voit pas. Et c'est comme s'il fallait que la photo soit immergée maintenant dans un bain de révélation pour que ça se révèle. Et ça va se révéler à travers chacun d'entre nous. Comme si nous faisions partie de la photo et comme si nous étions finalement un grain photographique. Chacun d'entre nous, on avait cette responsabilité de laisser se révéler en nous la couleur unique et le grain unique qui fait que nous avons tous besoin les uns des autres, quelque part, pour recréer ce corps divin qui est en fait l'ensemble de l'humanité. Hein, comme si cette photo, l'exemple, je m'excuse, est un peu profane, mais c'est pour nous rappeler aussi le rôle de l'Esprit Saint. C'est comme si au moment de la résurrection, il y a eu cette espèce de descente du Christ dans les profondeurs de la matière qu'il a littéralement sauvé de l'intérieur. Hein? Le corps de gloire, c'est quelque part cette implosion. C'est un peu comme le flash. Je sais pas comment dire. Le Père a pris la photo, je m'excuse, c'est un peu profane, et avec le flash. Et le flash, c'est la résurrection du Christ. Et la photo, elle est là. Elle est là dans le négatif de la photo, si vous voulez. Tout est déjà sauvé. Il y a quelque chose qui est transfiguré déjà par la résurrection du Christ, qui a sauvé toute la matière d'un point de vue collectif. Et c'est comme si maintenant, cette photo qui en fait représente le corps divin totalement accompli, l'humanité transfigurée, le beau corps de Dieu en l'homme, c'est comme si cette photo maintenant, ce qui manque c'est nous. Et c'est comme si maintenant cette photo, eh bien, elle allait maintenant être mise en place dans le bain de révélation, qui est l'Esprit Saint. Et c'est comme si maintenant, eh bien, l'Esprit Saint devait aider à la révélation finalement de cette photo qui est déjà prise. Sauf que dans l'exemple qui est là, chaque grain photographique a le choix de dire oui ou non au projet. La photo, apparemment, il n'y a pas le choix. Enfin, tous les grains se révèlent. Mais nous, on peut se coller au fond de la plaque et dire je veux pas y aller. Je veux pas être révélé, quoi. Je veux dire, je veux pas laisser l'Esprit Saint œuvrer en moi pour que ça puisse se révéler. C'est ça le sens de l'Église. Le sens de l'Église, c'est l'ensemble des humains qui, lorsqu'on est réunis tous ensemble et lorsqu'on est révélés ensemble, eh bien, c'est comme si Dieu, après, en regardant l'humanité, voit son corps, se reflète. Parce qu'on est devenus des êtres divins par participation. Enfin, est-ce que, hein, Dieu, pour l'instant, il voit les ténèbres, il voit l'inaccompli. Mais au fur et à mesure qu'on s'accomplit, Dieu finit par voir sa création et son propre corps se révéler dans sa création. Et là, chacun d'entre nous, on est responsable, on a tous cette possibilité unique, et on est tous uniques. Il n'y a pas un grain qui va dire « Attends, je me mets à ta place ». Chacun a son charisme, chacun a sa couleur, participe à la photo. Souriez. Souriez. Bon. Mais c'est pour dire que... mais en même temps, oui, souriez, parce que c'est vrai que le fait de sourire, c'est de dire oui. Hein, c'est vraiment de dire oui. C'est de dire oui à la présence de, je dirais, de l'esprit. Hein, mais donc c'est pour dire que là, notre volonté, si vous voulez, humaine, dans ce schéma un peu profane en même temps, c'est comme si chacun d'entre nous, on est détourné du projet divin. Notre fonction, finalement, comme grain, hein, le grain donc qui est collé à la planche qui ne veut pas se laisser être révélé, c'est comme si on avait d'abord à se retourner et à laisser l'esprit agir et révéler ce qui ne peut que venir. Et là, eh bien, on accomplit notre ministère, on accomplit qui nous sommes, je suis, hein, qui est unique pour chacun.
et qui fait que, eh bien, la photo ne sera complète et l'être divin ne sera satisfait là-haut que si, eh bien, que si chacun participe à ce mouvement. On a une manière unique d'être révélé par l'esprit. Ça, je crois que c'est aussi important à rappeler. Donc, le Christ, donc vraiment, nous rappelle par rapport à cette eau vive, il vient justement nous apprendre à justement dans cette révélation susciter en nous et révéler en nous cette dimension d'eau vive. Et que là aussi, dans cette eau, on va être invité aussi, en goûtant à l'Esprit Saint, à transformer notre sang, notre eau, tout ce qui circule dans le circuit lymphatique. Vous vous rendez compte quelle transformation il peut y avoir là aussi. De laisser l'Esprit Saint nous imprégner et transformer toute notre eau intérieure. Et transformer cette eau, donc c'est tout le sens du baptême. Laisser s'immerger, mourir dans cette eau vive, mourir en tant que vieil homme et ressusciter en tant qu'homme nouveau. Également de laisser, là je fais référence encore une fois à la prière du cœur, de laisser le Christ descendre dans notre eau intérieure, comme le rappelait l'icône, dans ce Jourdain intérieur, et laisser dans l'esprit, puisqu'il descend avec l'esprit, c'est vraiment il descend dans le souffle, et laisser, je dirais, l'esprit faire bouillonner un peu l'eau. Vous vous rappelez ce passage de la guérison d'un infirme à la piscine de Bethesda? Là, c'est en Jean 5. Donc Bethesda, Bethesda, c'est la maison de la grâce. Sous ses portiques gisait une multitude d'infirmes, d'aveugles, boiteux, impotents, qui attendaient le bouillonnement de l'eau. Car l'ange du Seigneur descendait par moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier alors à y entrer, après que l'eau avait été agitée, se trouvait guéri, quel que fût son mal. Il y avait là un homme qui était infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant, étendu et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit « Veux-tu guérir ?» Et là, bon, un peu plus loin, Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Comme si Jésus, maintenant il n'y a plus besoin que l'ange descende dans l'eau. C'est comme si Jésus était l'ange. C'était l'ange qui venait, comme si Jésus, en descendant dans nos piscines intérieures, venait guérir en nous tout ce qui est boiteux, tout ce qui est aveugle, infirme, impotent. C'est vraiment cette immersion dans l'esprit qui fait que c'est comme si on était invité à immerger tout ce qui était impotent et boiteux en nous dans la présence, dans la piscine, dans la présence du Christ, dans la présence de l'esprit. Ça bouillonne et c'est relevé. Et l'eau est importante parce que on est lavé par nos larmes, le baptême des larmes. Souvent dans la tradition du Moatos, dans la tradition ancienne, il y a vraiment la notion des larmes. Et c'est vrai que là, je fais partie dans la référence à l'eau. Je crois qu'une des formes pathologiques de l'eau dans notre histoire, c'est que l'eau souvent est congelée en nous. Nos mémoires sont congelées. Il y a une notion souvent dans nos mémoires qu'on a du mal à retrouver, comme si justement l'eau est congelée, que ça serait une des fonctions de l'esprit dans sa dimension de feu, maintenant qu'on va voir après. Le feu vient réchauffer l'eau, et c'est ce qui fait que, l'eau peut la glace peut se libérer, comme si on redevenait liquide, et que ça coule. Il y a vraiment là des signes parfois de ces baptêmes, de ces purifications par les larmes. Je crois que chacun d'entre nous, là, on peut rencontrer parfois ces larmes qui d'ailleurs souvent ne laissent pas de traces dans les yeux. Ces larmes spirituelles, ces larmes qui lavent. L'impression d'être lavé avec de la joie en même temps, quelque chose qui se libère. Les larmes, ça peut être parfois de l'eau qui est remise en mouvement aussi. La larme étant l'humeur du sang, nous dirons dans certaines études aujourd'hui de biochimique, on sait que dans la larme, il y a toutes les composants du sang, du sérum. Donc il y a vraiment là, dans la larme, également là, le signe extérieur d'une libération aussi. Et que faudra entendre aussi que certains territoires de nous-mêmes ne seront pas libérés tant qu'ils n'auront pas été pleurés. L'importance des larmes par rapport à cela. Qui est vraiment tout un processus de libération. Tant qu'on n'aura pas libéré, tant qu'on n'aura pas pleuré, tant qu'on n'aura pas visité certains de nos espaces par des larmes, ils ne seront pas libérés. Mmh.
Сыне, Сыне Божий, преобразилися на горе и поющие ти, après l'eau, après le souffle, l'esprit se présente sous forme de feu. On pourra contempler quelques instants cette icône de la Pentecôte, qui est ce moment particulier où on le décrit historiquement, les apôtres sont rassemblés dans la chambre haute à Jérusalem, 10 jours après l'ascension du Christ, depuis la résurrection de leur Seigneur, depuis la mort-résurrection. Le Seigneur leur est apparu pendant 40 jours, qui correspond à un temps aussi de préparation, un temps où ils ont été préparés, élevés dans une matière de joie. La matière de résurrection est une matière de joie. L'un des signes de la présence de l'Esprit-Saint en nous, c'est la joie. Cette joie profonde, cette joie du vivant. Encore une fois, la présence, les signes de la présence de Dieu en nous sont des signes très simples. La présence de Dieu en nous, c'est pas quand il y a des, vous savez, des flammes qui sortent de partout, des yeux, des oreilles, où ça, une espèce de puissance divine qui ébranle tout. La présence de Dieu en nous, c'est la présence de la joie, de cette paix profonde du cœur, la présence de la douceur, de l'amour, du silence, de l'humilité. Ce sont des signes très, très simples, d'apaisement de la matière. C'est vraiment les signes de la présence de l'Esprit-Saint en nous. Est-ce qu'on devient plus humble, plus joyeux, plus tolérant, plus vivant, plus silencieux à l'intérieur, dans des formes de silence dans le cœur? Ce sont vraiment les signes de la présence de l'Esprit. Mais là, on en revient donc à ce moment où l'Esprit se révèle à ces apôtres donc, qui ont été préparés, qui sont montés dans la chambre haute de leur cœur. Ils reçoivent donc l'Esprit-Saint sous forme d'un vent. Donc on retrouve vraiment l'image symbolique du vent, mais avec des flammes de feu, des langues de feu. Et là on voit sur l'icône des rayons de lumière et puis une petite langue qui vient se déposer sous la forme du feu. C'est intéressant ça, la langue, une langue de feu, comme si l'Esprit-Saint nous réapprenait avec la langue une parole qui puisse réchauffer et une parole qui puisse éclairer. Là, on retrouve dans la tradition l'équilibre et l'union entre l'intelligence et le cœur. Il y a parfois des paroles qui réchauffent, mais qui n'éclairent pas. Il y a parfois des paroles qui éclairent, mais ça manque de chaleur. Une parole qui éclaire et qui réchauffe, comme si dans ce feu de l'esprit, l'histoire étonnante, c'est que ces hommes qui parlent, qui sont galiléens, s'expriment dans une langue où ils sont compris et entendus,
d'autres peuplades, de tous ces êtres qui sont ici, je dirais, réunis à Jérusalem, parce que c'est une fête importante à l'époque pour le peuple juif, hein, c'est la Pentecostie, c'est la cinquantaine finalement, hein, il y a toute une date anniversaire là qui est proposée. Mais c'est comme si Jésus avait choisi cette fête de la Pentecôte pour envoyer, bon, le Père, enfin, envoyer l'Esprit Saint le jour de la Pentecostie, hein, qui est une fête juive particulière, hein, où on fêtait ce jour-là le moment où Dieu a révélé à Moïse, a transmis à Moïse les tables de la loi. Et c'est ce jour-là, en fait, anniversaire, hein, où Jésus envoie, enfin, avec le Père, envoie l'Esprit Saint en langue de feu. Comme si ce feu, si vous voulez, venait toucher notre langue, hein, notre parole, et on se faisait entendre, je dirais, de toutes ces différentes peuplades. Comme si, grâce à la langue de l'Esprit Saint, on venait rejoindre l'autre et on se faisait entendre et comprendre par l'autre. Et en même temps, cette langue, elle nous sert à chanter les merveilles de Dieu. Comme si, à travers le feu de la Pentecôte, la flamme de la Pentecôte, hein, c'est ce don de l'Esprit, ce don du feu, qui vient éclairer et réchauffer et nous inviter à communier à la langue une, les merveilles de Dieu. C'est cette flamme de la Pentecôte, cette flamme, et qui vient donc bien souvent aussi nous éclairer dans toutes ces dimensions intérieures, dans la relation, qui vient éclairer, qui vient réchauffer. Verticaliser, il vient souvent discerner, hein, dans le feu de la Pentecôte, il y a aussi ce feu de Saint-Michel, souvent dans ce feu qui vient, clarifier, qui vient clarifier là où c'est confus, qui vient réchauffer là où c'est froid, là où c'est congelé, hein, on l'a rappelé tout à l'heure, qui vient transformer ces cœurs de pierre, ces cœurs congelés, ces cœurs de glace en cœurs liquides, ces cœurs de chair, hein, pour reprendre l'expression du prophète Ézéchiel. Donc il y a vraiment cette fonction du feu qui est d'attendrir, mais c'est en même temps d'éclairer. Je crois que dans l'Esprit Saint, il y a, hein, vous savez, on retrouve dans la tradition le mot paraclet. Le mot paraclet, paraclitos en grec. Et le paraclitos fait référence à un être humain, à une tradition de la tradition hébraïque, fait référence à un homme qu'on appelle le métourgéman, qui avait pour fonction dans une synagogue de traduire l'hébreu en araméen. Essayons d'entendre ce qui est dit là. La langue qui était proposée, qui était la langue de l'enseignement dans les synagogues, était écrite ou enfin était lue en hébreu. Mais le petit peuple à l'époque ne comprenait pas l'hébreu. Il fallait une traduction, quelqu'un qui puisse transmettre l'information reçue par la langue une, qui est la langue de l'hébreu. Hein, la langue hébreu fait partie avec le sanskrit, mais peut-être encore plus l'hébreu, de cette langue du verbe. Formé de ces lettres énergie qui sont vraiment cette puissance de la langue de Dieu, on pourrait dire. Toutes nos langues, après, étant un peu des dégénérescences, quelque part, ou des déformations, des conséquences de cette langue de feu, cette langue une, cette langue du verbe, cette langue de Dieu, cette langue sacrée, hein, de l'origine, que peut être l'hébreu et aussi le sanskrit. Et c'est comme si vous voulez, le métourgéman rendait intelligible la langue de Dieu et le transmettait pour le rendre intelligible au petit peuple, lui qui parlait l'araméen. Le langage divin se fait compréhensible, se fait intelligible par l'humain, en d'autres termes. Comme si l'Esprit Saint, dans sa fonction feu et d'éclairage, nous aidait finalement dans son discernement à lire dans le dedans, à être intelligent. Intelligent, intellegere, c'est lire dedans, hein, littéralement. C'est comme si l'Esprit Saint nous aidait à transcrire et à lire les événements divins et les rendre accessibles et intelligibles au niveau de l'humain. Il y a vraiment une fonction d'éclairage qu'on retrouvera dans la tradition de l'Esprit-Saint, dans la présence clarifiante du feu, vient nous éclairer, vient nous réchauffer. Et vient aussi allumer en nous le feu de l'amour. Pour finalement que nous apprenions à incarner ce beau thème du devenir des buissons ardents. La différence, on pourrait dire, entre ces feux qui nous consument, ces feux de nos passions qui souvent nous laissent comme des tas de cendres, hein, parfois dans nos histoires passionnelles, affectives ou événementielles, ou bien souvent lorsqu'on vit un événement, on est transformé en tas de cendres. Ça nous consume de l'intérieur. Là, le feu de l'esprit ne nous consume pas. Il nous émonde, il nous éclaire, certes, mais en même temps, le feu de Dieu vient nous habiter et vient allumer ce feu de l'amour à l'intérieur. C'est ce feu qui, vraiment, de réapprendre à être des buissons ardents, des buissons d'humanité,
ce buisson ardent que voyait Moïse, hein, Moïse ce berger qui faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, et qui dans le désert du Sinaï à un moment donné est interpellé par un buisson où littéralement hein, il est enflammé, en même temps il ne se consume pas. Le feu de l'Esprit Saint nous laisse, je dirais, dans notre entièreté, dans notre humanité, et en même temps il vient nous faire ressentir ce feu de l'Esprit, ce feu de l'amour. Il vient allumer en nous ce feu. Hein, vous rappelez cette parole de Jésus, « Je suis venu semer le feu, et comme j'aimerais qu'il soit déjà allumé. » Je rappelle, Yeshua en hébreu, Yod et Vav He, il y a la lettre Shin au milieu, c'est le feu, c'est la lettre de l'Esprit en nous. Il est venu allumer le feu de l'Esprit. Ce feu de l'amour, ce feu contagieux d'ailleurs, hein, qui habitait les apôtres, et qui faisait que ce feu, hein, cette flamme de la Pentecôte, il la transmettait dans la parole, hein, et ce feu enflammait les matières. Dans le sens où il ne les consumait pas, mais il les réveillait et il les faisait participer de ce feu divin qui est ce feu de l'amour, qui en même temps réchauffe et éclaire. Croire en Dieu, c'est pas être moins intelligent. Parfois, malheureusement, on en perd l'intelligence parce qu'on devient fanatique. Hein, mais l'expression authentique de l'Esprit Saint, ça ne nous rend pas dans ces formes de foi aveugle. Quand on dit que l'amour rend aveugle, en vérité non, c'est une bêtise. L'amour rend intelligent. L'amour rend clair. L'amour, la présence de l'Esprit Saint, hein, d'un point de vue spirituel, nous rend intelligent. Normalement, de plus en plus intelligent, clair et réchauffant. Donc l'Esprit Saint est vraiment celui aussi donc, qui vient allumer en nous ce feu. Et que là aussi, il faudra entendre, on sera invité à entendre que en nous, en vérité, souvent, brûle une flamme. Cette flamme, on le voyait hier, hein, cette belle flamme, hein, bien souvent, on éteint l'Esprit en nous, on éteint la flamme en nous. Et justement, à chaque fois qu'on se détourne de l'être, à chaque fois qu'on est immergé dans le monde, hein, qu'on oublie l'être divin, c'est comme si la flamme de l'Esprit diminue. C'est comme si, en fait, nos prières, nos moments de prière, c'était comme attiser la flamme pour la faire repartir. Saint Paul dira cette belle parole, « N'éteignez pas l'Esprit. N'éteignez pas la flamme de la Pentecôte. » On est dépositaire de cette flamme, de ce feu. L'Esprit Saint, c'est aussi comment retrouver cet équilibre à l'intérieur entre l'eau, le feu et le souffle. On pourrait dire que l'eau vive, c'est de l'eau animée par du feu. Hein, que l'air dans lequel on respire, qui est cet air vivifiant, cet air de la cascade, c'est un air dans lequel il y a du feu dedans. Ou même cette eau vivifiante, il y a également de l'air dedans. Hein, c'est de l'air animé, ou c'est de, hein, on sent bien que les différents éléments participent ensemble, hein, se réunissent pour faire de la vie ces trois cordons, je dirais, hein, de l'Esprit qui viennent nous rejoindre, hein, et qui viennent raviver en nous et guérir en nous les éléments. Hein, au cœur d'une terre qui est notre terre, la terre de nos mémoires, et une terre bien souvent fermée à l'information, hein, qui est la terre de nos ancêtres, qui est aussi la terre de, on pourrait dire, des mémoires de l'humanité qui sont là. Également, il y a une terre du paradis en nous, hein, cette terre paradisiaque, hein, cette terre, hein, dans laquelle est plantée la semence divine en nous. Et cette semence, elle est plantée au cœur de notre terre. Et cette terre, finalement, eh bien, c'est comme si toute notre vie, on passait à la labourer. Ou plutôt, on est labouré. On est travaillé, on est fait, hein, comme on le rappelait par l'Esprit. Et que ça demande une collaboration, hein, d'être travaillé, d'ouvrir notre terre. De la laisser s'ouvrir et de l'ouvrir à l'action de l'Esprit Saint qui va se révéler à la fois comme eau vive qui va venir, je dirais, arroser la semence, le nom divin qui nous habite, qui va venir aussi, lorsque l'arbrisseau commence à apparaître, l'aérer, hein, le faire respirer avec l'air, mais aussi l'arbrisseau a besoin du feu, hein, du soleil intérieur, hein, comme si l'Esprit Saint participait à la croissance de l'arbre en nous. C'est vraiment de la semence jaillie de la terre, comme si l'Esprit Saint venait travailler en nous avec ses éléments pour nous faire passer de l'image à la ressemblance. À travers ce travail de la magie, du mystère, du travail de la terre, de la terre-mère, tel que l'enseignement de la nature peut nous le rappeler en marchant auprès de ses arbres, de ses fleurs,
Donc il y a vraiment là un travail vraiment important de l'esprit. Et c'est comme si, je dirais, c'est un des enseignements de la parabole du semeur. C'est comme si on avait, nous, en tant que terre, la possibilité aussi de refuser l'information, de refuser la fructification. Tous les talents et la semence qui est semée en nous, on a la possibilité de refuser la fructification. Vous savez, ces différentes étapes de la parabole du semeur nous montrent finalement que seule la terre généreuse, qui se sera laissée labourer de l'intérieur, et avec persévérance, c'est intéressant, c'est de la parabole, c'est la persévérance et la patience, c'est un long travail de patience, où on est retourné, où on monte, où on descend l'échelle, enfin, ce long travail de patience, je crois que souvent on manque de patience. Ouvrir la terre, ouvre-toi, et fata, nous dira le Christ, ouvre-toi et laisse faire l'Esprit. Laisse faire le miracle de l'Esprit. Notre collaboration, elle est là. D'être attentif. La terre qui s'ouvre est une terre qui prend soin. C'est une terre qui se fait fertile, qui se veut féconde, donc qui n'est pas sans désir. Mais c'est comme si dans le livre de la Genèse, ce qui nous est dit, c'est que l'Esprit Saint descend, le vent-feu descend, parce que la terre appelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette réponse, je dirais, ce lien entre le désir de la matière, de la terre, qui n'est pas son désir, qui appelle. Parce que je vous rappelle que dans la terre, il y a le nom divin qui nous travaille. Là est l'éros. Le nom divin nous travaille à l'intérieur. On est travaillé de l'intérieur. Cette voix à l'orient de notre être, elle nous travaille de l'intérieur. Donc on est travaillé, donc il y a à la fois ce feu qui vient rencontrer cette eau inconsciente, et c'est parce qu'il y a ce désir de la terre que l'Esprit Saint descend. Il y a en même temps les deux, et c'est ce qu'Annick appelle l'alliance de feu. Cette alliance entre, je dirais, la montée du désir de l'homme, l'homme qui est en fait plutôt une notion d'eau-feu, et la réponse de Dieu qui est le vent-feu, qui est de l'air-feu. Il y a quelque chose là qui se scelle, qui est vraiment pour une alliance de feu. Notre terre n'est pas sans désir. L'éros, c'est justement le désir de l'homme pour Dieu. Et je vous rappelle que la réponse de Dieu à l'homme, c'est l'agapé. L'amour libre, la grâce, l'agapé, gratuit, l'amour de Dieu pour l'homme. Dans la tradition orthodoxe, notre participation, l'avènement du vivant en nous, c'est la collaboration, la synergie entre ces deux actions de l'être humain et du divin. Il y a vraiment ce lien, comme si l'homme a besoin de Dieu, c'est une évidence, mais on rappelle aussi que Dieu a besoin de l'homme. Ça, c'est quand même plus étonnant à entendre. Donc c'est vraiment cette alliance que nous vivons dans l'esprit, et cette collaboration de la terre qui dit oui, une terre généreuse. C'est le mot que traduit André Chouraki à travers la parabole du semeur. Le Créateur a semé. Mais la capacité de dire oui à la vie, c'est nous aussi. Et que là, certains d'entre nous aujourd'hui, on a pu être blessé par rapport à cela. Il y a en nous quelque chose qui ne veut pas ou qui ne peut pas fructifier. Et là, au passage, je vous rappelle l'importance de la bénédiction. Si je vous parle de ça, c'est parce que certains d'entre nous aujourd'hui, on est arrêtés dans nos vies parce qu'on n'a pas été bénis. Par notre lignée, par exemple, ou par le père, par la mère, qui bénit. Qu'est-ce que c'est la bénédiction, la béraka? La béraka, lorsqu'elle est donnée par Dieu, c'est cette force agissante qui vient en fait transmettre une force à une énergie potentielle qui est scellée dans la matière et qui pour l'instant reste quiescente. Et lorsqu'elle va être touchée par la bénédiction, par la force agissante, elle peut fructifier. C'est comme si la bénédiction en fait nous invite, nous autorise à manifester ce qui est à l'état quiescent ou arrêté. C'est important d'être béni. C'est l'injonction du père ou de la mère qui va dire « Vas-y, vas-y mon fils ». Vas-y ma fille, et ça, parfois pour nous c'était difficile, on l'a pas entendu ça.
Et c'est ce qui fait que, eh bien, ça veut dire que ce qu'on a déposé, ce qu'on a, le talent, la semence qui est déposée en nous, c'est comme si on n'était pas autorisé à la faire fructifier. Ou finalement, on croit, en fait, on met en place des processus de fructification, et au moment où on recueille le fruit, il y a quelque chose qui s'aborde sans arrêt. Comment, en fait, parfois, hein, on a peur ou on ne se sent pas autorisé à recueillir le fruit d'un travail quel qu'il soit. Parce que souvent, à la base de ça, il y a quelque chose qui ne nous autorise pas. De quel droit on pourrait avoir cela? Enfin, il y a cette espèce de, une forme d'indignité. Parce que bien souvent, quelque chose a manqué dans la lignée ou dans la relation. Vas-y, si on avait pu entendre ça, hein, du père ou de la mère, ou de la lignée, parce que souvent c'est pas le père ou la mère, parfois c'est le grand-père ou la grand-mère qui peut nous dire ça, peu importe. Et que justement, souvent, un père spirituel ou une mère spirituelle vont nous aider à cela. Hein, souvent, ils peuvent nous dire, justement, là où le père biologique ou la mère, qui encore une fois, il n'est surtout pas question de culpabiliser qui que ce soit, parce qu'on fait tous ce qu'on peut, je dirais, hein, mais là où on n'a pas été, on n'a pas entendu, hein, dans la lignée, c'est effectivement souvent quelqu'un qui va à un moment donné se révéler comme étant un père ou une mère dans notre vie pour différentes raisons et pouvoir nous dire, mais vas-y. Et là, en fait, dans ce lien spirituel, hein, dans cette paternité spirituelle, en fait, il vient remettre en mouvement, il vient nous autoriser à vivre notre filiation et à remettre en mouvement ce talent, cette semence, ce nom divin qui n'avait pas pu fructifier parce que asphyxié, parce que, je dirais, comme s'il y avait une muraille, comme s'il ne pouvait pas sortir de la terre, parce qu'il y avait une non-autorisation à sortir, à venir au monde, à naître. Et que là, souvent, dans l'inconscient religieux, quand on voit Dieu comme étant un Dieu culpabilisant, moralisateur, qui nous empêche d'être vivants. Là, ça peut être aussi des, je dirais, des implants parfois au niveau de l'inconscient religieux difficile, comme si finalement le simple fait d'être soi-même n'était pas permis par Dieu. À travers des injonctions de mémoire religieuse, d'une forme de, d'inconscient religieux, d'un Dieu. Si tu fais ci, si tu fais ça, si tu es vivant, tu verras. Hein, tu seras puni. Enfin, ces formes de projection complètement enfermantes et emprisonnantes. Alors qu'en vérité, Dieu n'appelle que cela. Il nous veut vivants. L'autorité de Dieu, si on peut parler d'autorité, est une autorité qui nous autorise du dedans à advenir. Certes, pas n'importe comment, avec des structures, avec des lois de l'amour qu'on aura à apprendre, on aura à être éduqué, enfin, on aura à être enseigné de l'intérieur, qui ne sont pas des lois de frustration, mais des lois d'accomplissement et d'ouverture. Donc là, il y a toute la notion de la, hein, d'une terre bénie. Toute la notion de la bénédiction. Un des signes également de l'Esprit Saint, hein, je crois que c'est aussi intéressant, c'est la colombe. Là, je crois que c'est aussi intéressant hein, on pourra peut-être terminer par cela, hein, la colombe, vous savez, qui souvent, donc, hein, vous rappelez la parole de Saint Jean dans la vision de Jean le Baptiste lorsqu'il voit comme une colombe descendre. Qu'est-ce que c'est qu'être Christ, finalement, dans cette histoire, hein? Être Christ, Christos, tel que Jésus l'incarnait en plénitude, finalement, c'est être oint d'Esprit Saint. L'onction d'huile, d'ailleurs, c'est pour ça que l'onction d'huile, dans le baptême, le Saint Crème, on est oint d'Esprit Saint, on est oint d'une huile. Hein? L'huile devient le support de l'Esprit. L'huile, c'est le support de l'Esprit. Finalement, être Christ, c'est être oint d'Esprit Saint, être oint d'eau vive. Être oint de feu qui éclaire, qui réchauffe, et être oint d'un air qui nous fait respirer au large, d'un air vivifiant. Donc Jésus, le Christ, c'est dans cette belle humanité, dans ce beau visage, c'est en fait l'être qui portait en plénitude cette eau vive. Quand on voyait Jésus, on voyait la cascade qu'on a vue tout à l'heure. Quand on était près de Jésus, on sentait la même puissance de vie que dans cette cascade. Jésus était l'incarnation de l'eau vive. Il était la plénitude de l'eau vive. C'est-à-dire qu'en lui, dans son humanité, il n'y avait rien qui faisait obstacle. Nous, on est en potentialité cela. Mais on a tellement peur, tous, donc nous sommes, de manifester cela, qu'on a mis une carapace. Jésus, en lui, il n'y avait plus rien qui séparait. On pourrait dire qu'il y avait cette puissance de l'Esprit-Saint qui était quand même atténuée par son corps, qui le rendait visible et vivable pour l'humain qui est à côté de lui, parce que sinon c'était invivable.
La puissance du Père était tellement puissante, la puissance de l'eau vive, la puissance du feu et de l'air pouvait être tellement terrible, enfin terrible dans le sens de, pouvait tellement nous déstructurer finalement, hein, lorsque, c'est comme si en Jésus, cette tunique de peau qu'était Jésus, en trop dans son humanité, apaisait cela et le rendait possible d'être rencontré à travers son visage et son humanité. Il était l'incarnation de tous ces éléments réunis. C'est pour ça qu'aussi il était capable, en laissant ces éléments l'habiter complètement, il est dominé dans le sens où il les habitait du dedans. C'est pour ça qu'il pouvait aussi calmer les tempêtes. Il pouvait marcher sur l'eau. C'est pas étonnant, puisque lui-même, il en était le maître. Dans le sens où lui-même, quelque part, il était plein d'Esprit Saint, hein, de cet élément guéri. C'est pour ça qu'il pouvait marcher sur eux. Il en était le maître à l'intérieur. Donc Jésus, c'est vraiment l'incarnation de cette cascade d'eau vive, c'est l'incarnation de ce feu du soleil qui éclaire, qui réchauffe, mais qui en même temps est supportable par l'humain. Et c'est aussi l'incarnation de ce souffle. Et Jésus, quand il passait près de nous, tout respirait. Et ça, c'est ce que les apôtres découvrent à la transfiguration. Transfiguration sur le mont Tabor. En fait, Jésus, c'était tout ça, et en même temps, c'était caché par la tunique de peau qu'il était, pour que ça soit supportable avec ses proches. Parce que sinon, ça aurait été... il y avait une maturation, je dirais, par rapport à l'humain. Et là, la transfiguration, ce qui se passe, c'est que les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, voient vraiment qui il est à l'intérieur. Et vous avez vu, ça décoiffe. C'est-à-dire qu'ils sont tous par terre. C'est-à-dire que ils sont tous à plat ventre. En fait, c'est comme si les apôtres voient, c'est comme si en fait ils voyaient, hein, il y avait quelque chose qui, les écailles leur tombent, et c'est comme s'ils voyaient vraiment qui il était. Mais c'est pas qu'il est aujourd'hui, maintenant, enfin, c'est pas à cet instant-là qu'il est ça. Tout ça, il est ça depuis le départ. Mais c'est comme si, je dirais, les apôtres, hein, c'est aussi important à entendre, c'est que on ne voit pas ça parce qu'on n'est pas préparé, nous, à le voir. Cette force de l'eau vive, ce feu de l'esprit, ce souffle, on ne le voit pas parce qu'on est complètement englué dans la matière. Et que finalement, la transfiguration qui se passe, c'est pas Jésus qui est en train de se transformer. C'est les yeux des apôtres qui sont en train de s'ouvrir. Et c'est pour ça que la prière du cœur, à terme, devrait nous inviter à nous ouvrir les yeux. Et là commence le chemin de transfiguration. C'est-à-dire que la transfiguration, c'est ce moment où on commence à voir dans la nature ou dans l'autre toutes les énergies, tous les éléments révélés et sauvés avec cette flamme de la Pentecôte, cette eau vive, hein, comme si l'œil du mystique, l'œil du transfiguré, voit la nature littéralement illuminée. Avec l'eau vive, avec la force de la lumière, avec la force. En vérité, c'est, hein, on est en train de dire finalement que lorsque de plus en plus la photo se révèle, c'est comme si de plus en plus on était en train de découvrir au cœur du monde défiguré, en vérité, ce qui existe déjà. Le royaume est déjà là, mais on ne le voit pas, parce qu'on n'est pas encore ouvert, nous, pour le voir. Donc tout le travail pour nous va être de transformer le cœur dans l'esprit, pour qu'en transformant le cœur, tous nos organes des sens, si vous voulez, s'ouvrent. Et c'est comme si on ouvrait en nous des organes spirituels qui fait qu'on commence à voir au cœur de la forme ou à travers le monde manifesté, le monde transfiguré. Le monde deviendra tel que nous, on va le regarder. Et tout le rôle de la prière du cœur, finalement, lorsqu'on répète le nom de Jésus, dans l'Esprit Saint, ça va être de plus en plus d'éveiller notre matière à quelque chose d'autre, qui fait que on va entendre différemment, on va voir différemment, on va sentir différemment, on va toucher différemment. On ne va plus consommer le monde, mais c'est comme s'il se révélait en nous, comme si on découvrait ce qu'il y a au-delà du monde et de la forme. On communie à la chair du monde, au Verbe à l'intérieur. C'est pas la lumière qui manque, c'est nos yeux pour la voir. Tout le travail de transformation pour nous, c'est un travail de purification du cœur. Invoquons l'Esprit Saint, puisque c'est lui
C'est cette personne trinitaire, habillée de vert, pour un chemin d'espérance. C'est lui qui, en nous rappelant cette merveilleuse mission du Christ, du Fils, le Fils et l'Esprit cohabitent et travaillent ensemble avec nous. En nous, c'est vraiment l'Esprit, notre chemin d'espérance qui viendra nous transformer et qui viendra prier en nous. Et avec cette dimension, ce triple cordon de l'air vivifiant, du feu et de l'eau vive qui viendra transformer notre matière, nous incarner encore plus, nous orienter encore plus, nous faire respirer encore plus, nous inviter à laisser se révéler ce champ de l'être toujours plus, à nous centrer toujours plus et à palpiter au cœur de la création. Et nous vivre de plus en plus comme filles et fils de la vie, dans un monde transfiguré. C'est ce monde de l'unité retrouvée. C'est le paradis retrouvé. C'est en nous. Bon, Yaka. Voilà, donc c'était vraiment toute cette approche de l'Esprit-Saint. Et donc, oui, pour simplement terminer quelques minutes sur la colombe, la colombe justement représente, c'était de la paix. La colombe, la shalom, c'est vraiment la colombe, c'est l'oiseau de la paix, l'oiseau de l'unité retrouvée. La colombe de la paix, c'est aussi un des signes de l'Esprit-Saint. C'est aussi le signe, la colombe donc, qui fait le lien, on l'a vu hier, entre la terre et le ciel, c'est vraiment le signe du lien retrouvé. De l'être humain qui, à nouveau, danse dans la ronde trinitaire. Et là, donc, la colombe, c'est vraiment ce lien, le symbole du lien retrouvé entre la terre et le ciel. Et c'est vraiment la révélation de l'homme ailé, de l'homme qui a retrouvé ses ailes, de l'homme ange, de l'ange en nous. C'est l'avènement de l'ange en nous. Là où, effectivement, eh bien, l'ange... Et là, je terminerai par là. C'est comme si l'ange, en nous, c'était ces êtres créés, invisibles, apparemment, qui sont là, qui sont, on pourrait dire, comme des matérialisations de l'Esprit-Saint. Invoquez l'ange. L'ange, on pourrait dire, c'est une matière. L'Esprit-Saint, c'est une matière, bien sûr, mais on pourrait dire que l'ange, c'est l'envoyé de l'Esprit. Ou il descend dans l'Esprit. C'est une forme d'un esprit un peu densifié. Il est au service de l'Esprit. Et l'ange veut venir s'incorporer en nous. Il veut nous rencontrer. Il veut venir jubiler en nous. Donc les anges, peut-être que maintenant, de plus en plus, ou en tout cas il y a une humanité peut-être qui se prépare à ça, on est invité à laisser les anges venir nous rejoindre. Comme étant des manifestations de l'Esprit-Saint. Comme si l'ange venait nous apporter le message de l'Esprit, le message des éléments. C'est pour ça que l'ange de l'eau, l'ange du soleil, l'ange de la terre, l'ange de l'air, c'est vraiment d'invoquer l'ange du monde minéral, du monde végétal. C'est autant de portes qui nous invitent à entrer en contact avec ces différents barreaux de l'échelle. Et les anges descendent et montent. Donc il n'y a pas à vouloir dire que ça c'est le plus, enfin c'est le plus haut certes, mais on n'est jamais assez transfiguré. Même si on peut être là, allez, il faut revenir à la motivation. Ça descend et ça monte. C'est vraiment une échelle qui monte et qui descend pour que on ait de plus en plus travaillé, de plus en plus large. On peut être transfiguré là, mais c'est pas encore là. Et pour être transfiguré là, il faut descendre. C'est sans arrêt cette montée-descente qui fait que cette échelle est à parcourir là comme cela. Господу крестью для Иисуса.
Молитвами Богородицы,